Bonjour, bonsoir à tous. On, on commence dans cinq minutes. Donc, euh, si vous avez la possibilité de prendre un verre d'eau, <laughs> je bois à votre santé. Voilà. Vous avez bien pris de quoi noter, parce qu'on a plein de choses à se raconter ce soir. Si vous avez de quoi noter, donc. Hop là je ne vais pas brancher mon micro, ça commence bien. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Euh, donc on commence dans, dans 4 minutes. Je disais, je, je, je bois à votre santé. Prenez un verre d'eau si vous avez besoin parce que Jacques, ta caméra... Voilà. Ça y est, on le voit. Et donc euh, voilà, réglez votre caméra si vous en avez une. Sinon, on, on peut co communiquer dans la fenêtre de conversation. Vous êtes 25 inscrits ce soir, donc euh, tout le monde va arriver bientôt. C'est super. Euh, voilà, donc régler votre caméra, préparez de quoi assister à la séance et participer. N'ouvrez pas votre micro maintenant. Euh, si vous avez une question, euh, vous levez la main et je vous interrogerai et c'est moi-même qui ouvrirai votre micro. Parce que si tout le monde ouvre son micro en même temps, euh, je dis ça surtout aux élèves qui sont habitués aux agora, généralement on est 5-6, donc c'est pas gênant, mais à 25, ça va être un peu difficile. <laughs> ok. Bon, ça, tout le monde. Chut, chut. On coupe son micro, Jean-José, ça commence. Un blâme pour, euh, un, un pour, euh, pour Jean-José. <laughs> voilà, Jean-José fait partie des fidèles, mais euh, là, comme on est 25, si tout le monde ouvre son micro en même temps, ça va être difficile. Euh, ok, super, je vois des... Il ben, y a des nouveaux et puis il y, y a des anciens, ça fait plaisir. Allez, encore 3 minutes. Plus que 3 minutes à meubler. <laughs> Comme dit mon ami Claude Lemel, euh, meubler, ce n'est pas commode. Allez. Donc, il euh, y a encore. Euh, vous êtes combien là on, on est euh, 1, 2, 3, 4, 12. Déjà 12 personnes. Ah, encore 13. Bon. On espère qu'il n'y aura pas trop de retardataires, mais on est obligé de commencer hein, parce que, comme on a pas mal de choses à se raconter, euh, je n'ai pas envie. Alors, si, si, on, si on va un petit peu au-delà de, de l'horaire, moi, ça ne me dérange pas, mais je n'ai pas envie que tout le monde soit gêné parce qu'il y a des retardataires. Donc. Euh, ah, 20h30, pile on commence. Alors, heure française. <laughs> Allez, encore deux minutes. J'ai préparé plein de choses pour vous. Préparez vos questions. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Enfin, ce pas le moment ou jamais. Euh, il y aura d'autres occasions, mais c'est vraiment le moment de les poser. Et moi, j'ai aussi plein de questions à vous poser. <laughs> Allez, toc, Suis-je bien visible dit Christian. Non, tu es invisible, Christian. Ah non, tu es visible. Tu es visible, mais tu es, tu es là deux fois. Il y a, tu t'es connecté une fois en invisible et une fois en visible. Alors, ce serait pas mal que tu. La partie invisible, que tu te déconnectes et tu reconnectes si tu peux. Ce n'est pas très gênant, mais euh, peut-être que pour toi, ça risque d'occasionner de, de des problèmes de connexion si tu te connectes deux fois. Voilà, voilà. Et plus qu'une minute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bien, bien. Donc, vous avez compris comment on fait pour, euh, pour dire bonjour dans la fenêtre de conversation C'est bon pour tout le monde Ok, parce qu'on va s'en servir pas mal pour interagir. Donc, l'avantage de la fenêtre de conversation, c'est que vous avez des choses à dire. Bah, vous pouvez le dire pendant toute la. Pendant toute la réunion de rentrer et puis après euh, si vous voulez euh, euh, si vous voulez intervenir directement bah après je pourrais vous faire intervenir de vive voix mais c'est pas mal effectivement même pour communiquer entre vous alors vous avez deux possibilités vous avez la possibilité de, de parler à tout le monde ou de parler en privé si vous voulez me parler en privé ou si vous voulez parler en privé à quelqu'un vous avez cette, euh, cette option normalement et voilà allez plus que de minutes et on commence est-ce que le son est bon Vous m'entendez tous bien Faites-vous avec la tête si c'est bon D'accord. <laughs> il y a une chanson de Paul McCartney qui s'appelle Nod Your Head ça veut dire hocher euh, la tête. Et quand il fait le refrain, on voit tout le public qui fait. <laughs> voilà. Ah, ça y est, il est l'heure. Bienvenue dans la réunion de rentrée de l'École Internationale -International d'harmonica. Euh, avant de commencer euh, la séance, j'ai bien envie de savoir. Euh, bah, je vois comment vous vous appelez. Et euh, je ne vous connais pas tous. Donc, si vous pouvez me dire dans la fenêtre de conversation euh, d'où vous vous connectez. Est-ce que vous êtes en France Si oui, dans quelle région Et si vous êtes à l'étranger Enfin voilà, dites-moi d'où vous êtes. C'est assez sympa. Donc, euh, bonsoir Antoine, bonsoir Jean-Marc, bonsoir Carmen, bonsoir Jacques, bonsoir Christian, je suis content de, de retrouver. Bonsoir Alioun, bonsoir Jean-José, un ancien également. Bonsoir John Lee, bonsoir Philippe. Ça fait un bail. <laughs> oh, bah, pas tellement quand même. Bonsoir André. On, a, on discute beaucoup euh, sur la chaîne YouTube. Bonsoir Guy qui est arrivé il y a peu de temps. Bonsoir. Ah ben bah, j'allais dire bonsoir Christian, mais t'es déjà en, en visible. Euh, ok, donc euh, John Lee est en Lorraine. D'accord. Euh, Jean-José est en Suisse. Super. Vous voyez, c'est international. On a la Lorraine et la Suisse. La France et la Suisse déjà. D'où sont les autres D'où êtes-vous euh, La chapelle sur Erdre, près de Nantes, euh, de, pour Jacques. Ça, c'est précis, au moins. Pays de la Loire, d'accord, super. Ok. Et euh, Christian Martinique, eh oui. Donc Christian, il a un petit décalage horaire, hein pas grand-chose, mais. <laughs> voilà, bon, pour lui, c'est la journée, je crois. Hein c'est ça, t'es en, encore en pleine journée, je crois. Oui, c'est ça. Il est 6h chez toi, d'accord. Bon. Euh, Philippe de, de la Suisse, très bien. Alors, je sais pas s'il y aura des Canadiens ce soir, mais c'est vrai que pour le Canada, c'est plus difficile parce qu'il y a 6 heures de décalage. Donc, euh, évidemment, pour eux, euh, pour ceux qui sont, j'ai pas mal d'élèves qui sont euh, à Québec, et pour eux, bah, il, est, euh, il est 14h30. Alors, c'est pas mal 14h30 pour suivre une, une réunion. Le problème, c'est qu'ils sont au boulot, <laughs> pour la plupart. Donc il me dit, si eh ben, tu des choses à faire le soir, t'as qu'à décaler de 6 heures. Alors comme je me voyais mal commencer la, la réunion à 2h30 du matin, <laughs> je l'ai quand même maintenu à 20h30. Antoine, près de Cambrai. Ah bien. Ok, un peu dans toutes les régions. Tiens, bonsoir Francis, tiens, je découvre ton visage. Donc Francis, euh, je, on en est à, à poser la question de savoir d'où tu nous appelles. Enfin, d'où tu, tu nous suis, pardon. Donc si tu peux écrire dans la fenêtre de conversation comme les autres, euh, où tu es. Donc on a déjà des on a deux suisses, on a euh, un martiniquais, on a euh, des, des Français en Lorraine, Pays de la Loire, Cambrai. Euh, voilà, voilà. Très bien. Carmen de, Paris. Si Carmen de France, mais elle ne dit pas d'où. C'est quelque part... Ah si, euh, pays d'Aquitaine, très bien. Il y a un peu toutes les régions ce soir. Alors moi, je suis à Paris. <laughs> voilà, je suis à Paris. En France. Parce qu'il y a dix villes dans le monde qui s'appellent Paris. Hein. Donc, il y en a une célèbre au Texas, mais je suis à Paris en France. Enfin, je ne suis pas à Paris même, je suis à, juste à côté. À Saint-Gratien, voilà. Saint-Gratien, 15 minutes de Paris. Enfin, 15 minutes quand il n'y a pas de grève. <laughs> Sinon, c'est 2h15. Alors. <laughs> euh, très bien. Ok, bon. Allez, je vous laisse continuer de, de, de vous présenter. Et on attaque, Allez, dans une minute, on attaque le, le début. Enfin, on est déjà en train de commencer. Je dois prévenir qu'à 16h30, enfin 22h30 pour vous, je dois quitter mon, pour mon sport, dit Christian. Ok. Ben, normalement, on a fini à 22h30. Si jamais on n'a pas fini. Euh, bah de toute façon, tu verras la rediffusion, mais on va dire ma le maximum de choses avant 9h30, évidemment. Avant ton sport, très bien. Ok, nous avons un certain uh, Michel qui vient d'arriver. Ok, donc tous ceux qui, qui sont en invisible parce qu'ils ont des problèmes de webcam, vous pouvez aussi euh, intervenir dans la fenêtre de conversation. Voilà, voilà. Donc euh, on n'a pas encore eu le. On ne sait pas encore d'où vient Francis, d'où vient, euh, vient André. Donc, Guy, Michel, bonsoir à tous. Ok. Allez, je, je vous laisse continuer. Donc, je coupe les micros de tout le monde. Hein. Francis, n'ouvre pas ton micro euh, de manière intempestive parce que si tout le monde ouvre son micro en même temps, <laughs> ça va être un joyeux boxon. Donc, si tout à l'heure je disais tout à l'heure hein, pour Francis et les autres, si vous avez des questions à poser, vous levez la main et puis moi je vous interroge euh, au fur et à mesure comme ça de vive voix, parce que si tout le monde intervient en même temps, euh, ça va être difficile. Surtout que là, on est en train d'enregistrer là, la... on est en train d'enregistrer, donc vous trouverez la rediffusion et évidemment, euh, euh, bah, il ne faut pas qu'il qu y ait trop 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 de bruit. De bruit. Ok. Alors, euh, alors la première chose que j'ai à faire, c'est un petit questionnaire pour vous connaître un peu mieux ou un peu plus parce que bah tout le monde se connaît pas. Ok ah voilà Elisabeth vient d'arriver bonsoir Elisabeth donc Elisabeth si si on, on, là, la question qu'on a posée bonsoir Michel c'est d'où vous vous connectez voilà d'où vous êtes allez je lance un, un premier questionnaire donc le questionnaire c'est quel est ton niveau actuel donc c'est pour, pour vous connaître un petit peu. Il y en a qui jouent déjà de la euh, d'autres qui n'en jouent pas encore. Donc soit vous n'avez pas encore commencé les cours, euh, soit si vous avez déjà commencé, dites-moi où vous en êtes. Voilà, voilà, vous devez voir le questionnaire apparaître sur votre écran. Donc quel est ton niveau actu actuel? Quel module es-tu en, es en train de travailler? Donc les modules, ce sont les différentes parties de, de la formation complète. Voilà. Donc si vous voulez bien répondre, voilà, il y a déjà deux personnes qui ont répondu. Trois personnes. C'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'abstention ce soir. Il <laughs> n'y en a jamais. Hein. On fait mieux que les élections européennes. Allez, déjà 40% de votants. Ok. Donc les, ceux qui viennent d'arriver sont peut-être un peu pressés, mais on a commencé à l'heure. Allez, déjà 9 personnes qui ont répondu, 60% des votants. C'est important pour moi de savoir où vous en êtes en fonction de ce que je vais raconter. Euh, et puis aussi pour vous connaître les uns les autres. Ok, ok. Et juste après, on va parler de l'école internationale d'harmonica, puisque alors je vous ai réunis ce soir parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et c'est quand même beaucoup plus facile de vous présenter les choses en direct que, que tout vous expliquer par email. Surtout que si vous avez des questions, des choses que vous n'arrivez pas à faire, ou euh, en fonction de notre expérience déjà sur, euh, dans l'école d'harmonica, pour moi, c'est important que euh, vous puissiez poser les questions directement, comme ça je vous réponds en direct. C'est tout l'objectif de cette plateforme. Bon, il commence à y avoir du monde, mais ce n'est pas grave. Hein, euh j'ai le droit, avec la formule que j'ai choisie, moi je, je prends un abonnement pour, pour cette plateforme, évidemment, c'est pas gratuit pour moi. Et, euh, et en fait, je peux avoir jusqu'à 100 participants, donc ça va. <laughs> on a de la marge, on a de la marge. Cela dit, euh, interroger 100 personnes, euh, je ne sais pas comment on peut faire, à moins de faire un, une conférence pendant 8 heures. Là, vous êtes 20, 25 inscrits, donc euh, là, vous êtes déjà 15, enfin euh, non, 14. Bon, il y aura peut-être des retardataires. Euh, rien sur mon écran, dit euh, Christian. Mais je suis en pause depuis quelques temps. Alors peut-être parce que tu comme tu t'es euh, connecté deux fois, il euh, y peut-être un souci de ce côté-là. Mais ok, bon. Alors pour info, pause s'écrit P-A-U-S-E. Ou, ou alors si tu prends la pause, c'est p o s e <laughs> Ça dépend si tu veux. Si tu veux qu'on te prenne en photo. <laughs> Ou si ta, ta vidéo est en pause. Ok, pause. Ah ok, d'accord. Bon, allez, encore quelques secondes. Bah, tout le monde n'a pas répondu. Il y a peut-être des timides. Euh, ma caméra est euh, et HS, dit André. Alors c'est peut-être pour ça que ceux qui n'ont pas de webcam, peut-être que oui, peut-être que vous ne voyez pas. Oui, sûrement que vous voyez pas l'info euh, s'affiche à l'écran. Il y en a combien qui n'ont pas de webcam 1, 2, 3, 4. Donc il y en a encore moins de 2 qui n'ont pas répondu. Alors, comme je n'ai pas les prénoms, je ne peux pas savoir qui c'est. Ok, ah, nous avons Oscar qui est en train de, de se connecter. Voilà. Oula, ah non, attention, Michel, tu as fait une. une... Ah, oula, il y a un problème, Michel. Tu as... es en train de partager ton écran. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Euh, clique sur arrêter le partage, s'il te plaît, parce que là, on est en train de voir ton écran et c'est pas du tout ce que je veux. Donc il faut il faut que tu cliques sur arrêter le partage. Attends, j'ai peut-être la manière de... peut-être la possibilité de le faire. Euh, oh là 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 là. Attendez, hop, si je fais ça. Oui. J'espère que ça va. Voilà, super. Donc, faites attention, de partage, ne partagez pas votre écran, sinon on va voir votre ordinateur. Et c'est vraiment pas le but. Bonsoir Guy ben alors, Guy, on a, on a loupé l'horaire, c'est quoi ce travail <laughs> Bon, allez, Guy, je suis en train de partager un petit questionnaire, ce serait pas mal que tu répondes maintenant, ça me permettrait de poursuivre la séance. Bonsoir, Gianni. Pareil, si tu vois le, le petit questionnaire, allez, encore quelques secondes et puis après, on, on continue. Hein. Voilà. Voilà, super. Il y a 55% des personnes qui ont répondu. Forcément, il y a moins de 60% parce qu'il y a un peu plus de monde. Allez, c'est bon. Je vous partage ça. Donc là, pour le moment, il y a euh, des personnes qui sont dans le module 1. Donc qui commence. Euh, module 1, c'est le tout début de la formation complète. Module 3, module 4, donc là, c'est des personnes qui commencent à être un petit peu plus avancées. Module 7, ça veut dire c'est une personne, enfin euh, en tout cas deux personnes qui ont déjà euh, euh, dépassé le module 6, forcément. Donc qui commencent à jouer les altérations, ils commencent à faire des chose Très très sympa à l'harmonica, et puis trois qui sont au-delà du module 7, donc ils commencent à avoir un bon niveau. Bonsoir Jean-Louis, voilà. Ok, alors une autre personne au module 1, donc on est en train de, de partager un questionnaire pour savoir où tu en es dans ta formation. Moi je sais que tu es un Jean-Louis, tu es un ancien élève. Mais bon, voilà, si tu peux répondre aussi, c'est intéressant. Elisabeth me dit euh, Bonsoir, c'est la première fois que j'ai parti par réunion comme cela. Je n'ai pas de webcam. Voyez-vous mon écran Ben non, si tu n'as pas de webcam, c'est normal qu'on ne voit pas ton écran. Mais par contre, moi, je vois, je vois que tu t'es connecté. Donc, il n'y a pas de souci. Les autres ne verront pas ton, ton écran. Donc là, tu m'as écrit en privé. Tu peux aussi euh, choisir de, 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 de parler à tout le monde. Hein. OK Voilà. Très bien. Okay. Par contre, n'ouvrez pas votre micro. Voilà, parce que sinon, ça va être la pagaille. Ok, allez, on... je vous partage le, le résultat. Voilà. Donc. Voilà, vous voyez, c'est un peu disparate, mais c'est bien. Donc, ça veut dire qu'il y a, ouais, il y a un... une personne qui n'a pas encore commencé les cours. Et euh, puis d'autres qui sont déjà dans les cours. Et puis il y a aussi des anciens, puisqu'il y a au moins trois qui sont au-delà du module 7. Donc là, ils commencent à, à connaître. Mais euh, le, la réunion est, euh, est valable pour tout le monde puisque euh, il y a pas mal de nouveautés sur le site et dans l'école d'harmonica. Allez, on commence euh, dans le, le vif du sujet, dans le cœur du sujet. Donc, je vais mon programme. Euh, voilà. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer le programme. Donc normalement là vous voyez un nouvel écran s'afficher. Dites oui avec la tête si vous le voyez. C'est bon. Est-ce que vous voyez bien le nouvel écran Bonsoir Oscar. Bonsoir Michel. Oui, c'est bon. Très bien. Alors... Donc bienvenue à la réunion de rentrée de l'école internationale d'Harmonica. On a vu que c'était international parce qu'il y en a qui habitent en en France métropolitaine, dans les dom et à l'étranger. Bon, puis euh, vous n'êtes pas les seuls, évidemment. Il y en a qui habitent un peu partout euh, dans le monde. C'est très sympa. Et évidemment, c'est une école internationale, euh, mais francophone. Hein. Tous les cours sont en français. Alors évidemment, quand on parle de musique, euh, parfois, on a des mots en italien, mais <laughs> je ne le fais pas exprès. Je ne vais pas changer tous les mots, histoire de parler français. Mais voilà, le, tous les cours sont en, en français. Donc je dis ça surtout pour les nouveaux. C'est très important parce que... Euh, euh, oui, il y a même deux Suisses, euh, Guy. Et euh, euh, parce qu'en fait... Euh, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. J'aurais pu parler anglais, hein, je sais parler anglais, mais euh, il y a beaucoup de cours en anglais, et c'est vrai que c'est un peu pénible quand on veut prendre des cours ou des formations, et qu'on se dit, ah chouette, il y a, ah, justement, il y a exactement ce que je cherche, oh mon Dieu, tout est en anglais, alors si vous parlez pas bien la langue, bah, il faut apprendre l'anglais avant de commencer la formation, vous n'êtes pas arrivé, quoi. Donc là, c'est important que tout soit en français. Ok, allez. Donc, euh voilà. Alors tout d'abord, bah, comment on fait pour connaître l'école internationale d'harmonica La porte d'entrée, c'est quoi Eh bien, c'est le site. Le site qui s'appelle armodiatojazz.com. Donc on va voir tout à l'heure le, le site en direct. Euh, la première chose, c'est qu'il y a effectivement des choses qui ont changé sur le site. Donc on va voir les, les nouveautés tout de suite. La première chose, c'est la bannière qui a changé. Alors est-ce que. On va jouer à... Connaissez le jeu des sept différences. Est-ce que vous voyez une différence entre la bannière du haut et la bannière du bas A votre avis, qu'est-ce qui a changé Vous pouvez répondre dans la fenêtre de conversation. Je vais tester votre, euh, votre sens de l'observation. Alors dites-moi si vous voyez une différence et laquelle Entre les deux bannières qui s'affichent à l'écran. Uh -huh. À votre avis. C'est subtil, mais c'est important, c'est très important. Ça va permettre d'améliorer. Exactement, bravo John Lee, bravo Elisabeth, le mot perdu qui a euh, qui est perdu avec un point d'interrogation qui a été effacé. Alors pourquoi est-ce que euh, j'ai effacé le mot perdu Est-ce que plus personne n'est perdu <laughs> Non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, l'idée c'est que... Ça faisait doublon avec un autre. Euh, c'est qu'en fait, certaines personnes pensaient que quand ils étaient perdus dans, dans les cours ou quand ils avaient une question à me poser, eh ben ils cliquaient euh, là-dessus, ils, ils voulaient cliquer sur perdu, ils cliquaient dans, dans la barre là, avec la loupe pour essayer de me poser une question. Donc, ils, ils, ils tapaient la, la, la question euh, dans, dans cette barre, et évidemment, ils ne trouvaient pas la réponse parce qu'en fait, c'est simplement un. Hein, comment, une barre de recherche pour trouver des articles, des conseils sur le site. Donc, si par exemple, vous voulez trouver euh, le cours qui s'appelle l'embouchure, vous ne savez plus où c'est, vous tapez embouchure dans cette barre de recherche et vous trouvez le cours directement. Mais ce n'est pas une barre pour me poser des questions. D'accord Donc, du coup, j'ai enlevé le mot perdu parce que ça, ça portait à confusion. Hein, donc, c'est juste une barre de recherche, comme on voit sur la plupart des sites, pour rechercher. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais comment on fait euh, quand. Euh, ben, si on est perdu, comment on fait pour, euh, pour te contacter Donc, ça, je vais en parler dans quelques instants. Okay alors, euh, justement, dans, dans les modifications, tac, si on regarde le menu, il y a une partie ici qui s'appelle Tes questions. Vous voyez, ça s'est encadré en vert. Euh, donc, le, Tes questions, donc, en fait, euh, alors, à l'origine, c'était un, un, une page où vous pouviez poser toutes vos questions. Et finalement, j'ai fait beaucoup mieux. Hein, ça, tout ça, ça, ça évolue, hein, puisque l'école d'harmonica a 5 ans. Donc, euh, le site il n'était pas du tout comme ça à, à la base. Et j'essaie de l'améliorer, justement, pour que euh, votre expérience euh, euh, bah, d'utilisateur sur le site et notre communication soient plus efficaces. Et donc, donc, là, je suis en train de refaire la page, mais dans quelques jours. Ce sera toutes les questions qu'on pose le plus souvent, ce qu'on appelle les FAQ, les, les Frequently Asked Questions en bon français, les frais, les, la foire aux questions, on appelle ça la foire aux questions. En français, c'est les, les questions les, les plus couramment posées, d'accord parce que depuis 5 euh, ans, et puis bah, depuis aussi euh, le plus de temps que je donne des cours d'harmonica, ça doit bien faire une quinzaine d'années maintenant, euh, il y a beaucoup de questions qui reviennent, c'est normal. Et donc, euh, bah, plutôt que de, de me poser la question directement et d'attendre la réponse, vous, trouvez directement, vous trouverez directement le, la réponse euh, dans cette page. Donc, il y, y aura des réponses en vidéo et des réponses en, en texte. Donc, ça, ce n'est pas encore complètement opérationnel. Je suis en train de... Euh, en train de... Comment dire, de, de modifier cette page. D'accord Mais en tout cas, vous aurez les réponses à, à la plupart des questions ici. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs de, de poser des questions euh, sous la page en, en zone de commentaires pour euh, s'il y a un truc que vous n'avez pas bien compris, une réponse à une question que vous n'avez pas bien comprise, bah vous pourrez aussi me poser la question et je vous répondrai dans les 24 heures. D'accord Voilà. Euh, ensuite, alors, il y a aussi une. une une option qui, euh, qui va être supprimée, alors là il faut que je vous montre le site directement, ce sera plus simple, euh, bonsoir Jean-Luc euh, qui vient d'arriver, ok, euh, bien, vous êtes presque au complet, pas tout à fait, alors donc là je vous montre le site euh, directement, alors attendez, touc, je vais faire ça ici, je vais l'ouvrir, voilà, Donc l'adresse c'est armo-diato-jazz.com. Donc voilà. Alors, Je vais partager mon écran. Le voici. Ok. Donc c'est armo-diato-jazz.com. écrit ici. Ok. Donc euh, alors en fait il y a quelque chose que vous voyez peut-être. Tout en bas, voilà, qui s'appelle Laissez-moi un message. Donc ça, c'est une fenêtre de, de chat, une fenêtre de conversation. Alors, donc, si vous voyez ça ici, voilà, c'est écrit Laissez-moi un message. Voilà, Et ça permet de, de donc il y a le nom, vous pouvez mettre votre nom, votre adresse email, éventuellement votre numéro de téléphone, le message et pour que je puisse vous répondre en direct. Et en fait, ça effectivement, j'avais mis ça en place il y a quelques années en me disant bah, c'est chouette si quelqu'un va sur le site qu il a, qu il est qui veut avoir une info sur les cours d'harmonica, bah, plutôt que d'attendre euh, euh, bah, d'attendre de le connaître, d'attendre qu'il prenne des cours, bah, évidemment je, je peux lui répondre en direct. Et puis en fait, alors je m'imaginais euh, euh, comme je voyage beaucoup, enfin, je suis souvent dans les transports en commun. Euh, je m'imaginais euh, communiquer euh, par, par chat toute la journée <laughs> avec les, avec les vi visiteurs, puis je me suis rendu compte que c'est un peu compliqué. Quoi, parce que euh, euh, bah, certains, des fois, euh, me laissent un message et puis après ils s'en vont aussitôt. Et puis, bah, des fois, tout simplement, bah, je ne suis pas disponible. Quoi, parce que quand je suis en train de créer un cours ou je suis en train de donner un cours, bah, je ne peux pas être en, en même temps euh, sur la fenêtre de chat. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui disaient bah, C'est bizarre, il y a une fenêtre de chat, mais il répond jamais, le gars. Donc, euh, alors, en fait, moi, je, je, je répondais quand même, puisque. Une fois que la personne avait écrit dans le chat, je recevais une notification disant Ah, quelqu'un vous a, vous a écrit, et moi je répondais par email. Mais du coup, bah, ce n'est pas tellement intéressant d'avoir une fenêtre de chat ici pour répondre par email euh, le lendemain. Quoi. Donc ça, ça va être supprimé. Donc là, c'est encore sur le site, mais là, je suis en train de modifier. Donc ça, bientôt, ça va être complètement euh, supprimé. Donc il n'y aura plus la possibilité de, de, de communiquer via le chat, puisque de toute façon, ça ne servait pas à grand-chose. Enfin, en tout cas, ça ne servait pas vraiment pour. Euh pour, euh, pour chatter, puisque j'étais rarement disponible. Donc, ça, ça va bientôt disparaître au profit d'autre chose. Parce qu'évidemment, vous pouvez toujours poser des questions. Hein. Il est hors de questions que, que, que vous ne puissiez pas poser de questions. Donc, alors, ça se passe dans le menu. Ça existe déjà. Certains l'utilisent, mais vous pourrez l'utiliser maintenant. En fait, c'est ici dans le menu. Tac, je change de couleur. Hop. Donc, ça s'appelle besoin d'aide avec un point d'interrogation. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur besoin d'aide, eh bien, euh, vous, a, vous arrivez sur une autre page. Voilà, donc vous cliquez sur le menu sur besoin d'aide et vous avez tout simplement un formulaire qui s'affiche. Voilà. Donc là, tout simplement, vous voyez, euh, vous mettez votre prénom, votre adresse email pour que je puisse vous contacter, évidemment. Vous y écrivez votre question. Vous cliquez là sur la, sur la case parce que ça, c'est le, le, le règlement euh, enfin, de protection des données qui nous, qui nous l'oblige. C'est que bah, tout simplement. Euh, pour vous montrer que je ne fais pas, pas n'importe quoi avec vos, vos coordonnées. Hein, C'est écrit en inscrivant mes coordonnées. J'ai l'assurance que ma vie privé, privée est respectée. Moi, je, je ne transmets jamais vos coordonnées à qui que ce soit. Ça reste entre nous. OK voilà. euh, Et donc, une fois que vous avez rempli ça, vous cliquez sur « Envoi. Moi, je, re, je reçois un email euh, euh, aussitôt. Et puis, euh, bah, le soir, quand je, quand je regarde mes emails, ou le midi, quand je regarde mes emails, eh bien, si je vois qu'il y a une question, je vous réponds aussitôt. Comme ça, vous avez la, la réponse à votre question. OK donc ça, si vous avez une question générale ou question que vous, voilà, quelque chose qui, qui vous passe par la tête, vous pouvez euh, poser la question ici. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans les, euh, dans les différents cours. Et puis, euh, si vous avez une question à poser, si vous lisez par exemple un cours, là, par exemple, c'est pour choisir son harmonica. Bon, voilà. Et eh bien tout en bas, vous avez aussi. Voilà, vous avez aussi une, une fenêtre de conversation. Enfin, une fenêtre de de messages, donc c'est un peu long, il y a plein de choses à raconter, il y a tous les, tous les modèles d'harmonica que j'ai essayé, donc là vous avez plein plein de choses là-dessus, il y a beaucoup d'infos sur ce site bon, okay, au bout de 5 ans c'est un peu normal, euh, voilà la bête de course, tout ça, très bien cloc cloc cloc, les témoignages voilà, et puis bon, ici vous avez tout en bas, voilà vous avez les zones de commentaires, ok, là il suffit d'entrer votre commentaire, le prénom l'adresse email, comme ça je peux vous répondre, ok c'est comme ça que ça fonctionne donc, voilà. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les écrire dans la fenêtre de conversation ou à lever la main et je peux vous interroger en direct. Alors, euh... OK, la suite. Alors, suite des événements. Euh... Tac. Alors, donc, euh... ensuite, le. Donc une fois que vous êtes rentré sur le site, voilà. Ce qui, là, en fait, ce que je vous offre dès l'entrée sur le site, c'est ce que j'appelle le kit de démarrage. Alors avant, ça s'appelait le kit de bienvenue, ce qui n'était pas un nom euh, extraordinaire, parce que kit de bienvenue, ça ne veut pas dire grand chose. Le kit de démarrage, c'est que vous puissiez commencer les cours. Comme si euh, voilà, vous puissiez démarrer les cours. Okay Alors, pareil, je vous pose une question, je vous fais jouer ce soir. Euh, Est-ce que vous voyez une différence entre euh, le, la première ligne et la seconde ligne Qu'est-ce qui a changé voilà, ça c'est le, le détail de votre kit de démarrage. Je vous en parle dans quelques instants, notamment pour ceux qui, euh, qui sont nouveaux. Qu'est-ce qu'il y a de changé entre les deux Bon, ce n'est pas très difficile, mais... <laughs> Alors dites-moi, dans la fenêtre de conversation, euh, qu'est-ce qu'il y a de changé entre, entre les deux lignes Vous voyez bien l'écran, oui Ok, alors... Euh... Ah, hein, John Lee est très observateur. Il dit que le troisième... Ah oui, effectivement. Le troisième livre est passé en pole position, en première position, effectivement. Bon. Euh... Oui, je réorganise un petit peu l'ordre des livres. Mais surtout, surtout bah, bravo André, euh, bravo Elisabeth. Euh... Ok, et John Lee, oui, bravo, effectivement. Et bravo Guy, en quatrième position. Qu'est-ce qu'il y a On a un nouveau livre. Exactement. Et euh, Elisabeth a trouvé, effectivement, c'est à la Clairefontaine. Euh, exact dit... Oui, Antoine dit exact, mais un nouveau bouquin. Exactement. Alors, c'est plus qu'un bouquin. Alors, j'ai mis le, 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 simplement le livre, mais c'est livre et vidéo. Donc, euh, le principe, c'est que, en fait... Alors, vous avez, effectivement, plusieurs, euh, euh, plusieurs cours en vidéo et plus, plusieurs livres. Alors, pour vous montrer tout ça plus en détail, je re reviens sur le site de l'école d'harmonica... Voilà, je repartage mon écran. Donc on arrive sur l'accueil. Voilà. On va revenir directement à la racine. Voilà, si vous voulez revenir au tout début, le plus simple, vous cliquez sur le logo Armo Chopin et là, vous revenez au tout début du site. Donc, donc là vous avez euh, bah, un petit formulaire, prénom et adresse email pour euh, télécharger votre kit de démarrage, mais voilà ce qu'il y a dans le kit. Donc vous avez un premier livre qui vous décrit toute la méthode. Euh, pour apprendre à jouer l'harmonica avec moi que j'appelle l'harmonica du B à bas à la maîtrise en sept étapes. Donc euh, voilà, on a donc vous verrez le, le détail. Hein, je vous écris donc euh, première étape, choisir le bon monnaie d'harmonica, deuxième étape, acquérir les bons réflexes, troisième étape, jouer une seule note à la fois, quatrième étape, savoir respirer, cinquième étape, savoir altérer. Donc ça, ça arrive euh, à partir du module 7, euh, 6 c'est interpréter les morceaux et puis 7 c'est improviser. Hein, voilà les sept étapes. Après, il bah, y a un autre euh, livre qu'il faut lire au début, bah, ça, tous ceux qui, évidemment, ont pris les cours euh, sont, sont déjà passés par ici. C'est quel harmonica choisir, donc je vous écris pas mal de choses sur les différents types d'harmonica et les modèles que je conseille en fonction de ce que vous voulez apprendre à jouer. Ensuite, des témoignages d'élèves, et euh, leur vie a changé grâce à l'harmonica, donc c'est euh, un, un, bah, des témoignages euh, touchants de, de quelques élèves. Hein, euh, des élèves, euh, il y en a eu depuis, euh, depuis la création de l'école, il y en a eu euh, 625 ou 630, je crois 630 maintenant, donc évidemment j'ai pas mis 630 témoignages, sinon on aurait carrément eu un gros, un gros pavé, mais j'ai pris des témoignages assez touchants quoi, de, de, de personnes dont la vie a changé grâce, euh, grâce à l'apprentissage et à la pratique de l'harmonica. À la tienne Antoine. Euh, ensuite, euh, vous avez euh, donc les quelques vidéos, quelques cours en vidéo, donc une vidéo qui fait le lien avec le livre euh, sur le, le show de l'harmonica qui s'appelle Votre première harmonica. Un, une vidéo, donc tout ça c'est en accès libre évidemment. Euh, une vidéo qui s'appelle L'embouchure, quelle est la meilleure embouchure pour jouer de, de l'instrument. Euh, une seule note à la fois, donc c'est euh, bah, pour commencer à jouer, euh, parce qu'au début quand on joue, on joue un peu un... comme ça, et ensuite il faut réussir à une, faire une note, euh, une, une note après l'autre. Ensuite, un grand secret dévoilé, alors je l'ai appelé comme ça parce que. Bah, c'est quelque chose, j'ai remarqué, qui n'est jamais enseigné euh, chez les harmonicistes, alors que c'est plutôt, alors que plutôt euh, indispensable comme cours. C'est euh, le, le, comment on respire à travers l'instrument. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, la nouveauté, c'est ça. C'est, joue ton, déjà ton premier morceau, donc c'est à la Clairefontaine. Alors, je sais, quand vous voulez prendre des cours avec moi, vous ne vous dites pas bah, « Waouh, je vais apprendre à jouer à la Clairefontaine, génial !» <laughs> C'était pas pour ça que vous êtes venu. mais il faut bien commencer par quelque chose. Ok et donc, il euh, euh, donc y a le livret avec la, la, la partition, la tablature, et vous avez aussi le, le cours en deux vidéos où je vous explique comment, euh, comment jouer ce morceau. Donc, si vous n'avez jamais fait d'harmonica de, de audio, vous n'avez même pas encore votre instrument, bah, vous pouvez garder le cours sous le coude, et puis, parce que vous avez un accès à vie, de toute façon, puis vous pouvez même le télécharger. Donc, euh, comme ça, vous le regarderez plus tard. Et si vous avez déjà un harmonica et que vous voulez tester un peu votre niveau, voir un peu où vous en êtes, vous suivez le cours. Et puis, bah, si vous, pour vous, c'est euh, Singer in the Nose, bah, pas de problème. Si vous avez déjà un bon niveau, si pour vous, c'est un petit peu difficile, bah, comme ça, vous pouvez vous évaluer. D'accord Comme ça, quand on, on se rencontre ensemble, et eh bien, en fait, on peut, euh, euh, bah, vous avez déjà une idée de, de votre niveau et de ce que vous pouvez faire. D'accord parce qu'en fait, l'idée, le, le, en fait, que c'est quelque chose que je mets en place, euh, j'ai mis en place il y, a, il y a un petit moment maintenant, et euh, sur, 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 c'est sur quoi je vais insister, c'est que une fois que vous avez pris votre kit de dé, démarrage, si vous, une fois que vous avez regardé tout ça et que euh, bah, vous avez plein de questions à vous poser, si vous voulez commencer les cours, vous allez savoir comment ça fonctionne, on va le voir pendant cette réunion, mais si vous avez des questions, je vous offre 30 minutes de cours. Donc c'est un donc soit je vous appelle, soit on se voit euh, via webcam sur cette, euh, sur cette plateforme euh, donc là évidemment on sera en face à face, on sera pas à 25 cette fois-ci et, euh, et donc l'avantage la, c'est qu'on peut, on peut se voir en direct et si vous avez déjà un, un petit niveau à l'harmonica et que vous voulez euh, bah, connaître un peu où vous en êtes et savoir quelle, quelle est la formation la, la meilleure pour vous quel conseil je peux vous donner pour progresser, et eh bien justement ce sera pendant ces 30 minutes que, que nous le ferons ensemble ok voilà, voilà. Très bien. Je bois un petit coup. <laughs> je, je reprends juste après. Vous voyez, j'aime la photo, hein, pour, pour les connaisseurs. <laughs> Mais moi, je bois dedans. Alors. Euh, très bien. Alors justement, comment prendre les cours avec moi Alors... Uhum. Alors, Je vais vous parler de, de mon expérience de prof de musique. Ah, c'est pas ça que je voulais partager, pardon. Parce qu'avant de lancer la formation complète, bah, j'ai passé. Euh, euh, enfin, ça fait 25 ans que je donne des cours, euh, un peu plus maintenant. Ça fait un, un moment que je dis 25 ans, ça doit bientôt faire 28. Oui, c'est ça, ça fait 28 ans que je donne des cours particuliers. Donc, je vous parle de mon expérience. Alors, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent moins bien. Donc, voilà. Donc en fait, les, les cours, on, je peux vous les donner à domicile. Euh, ah, André dit qu'il était photographe. Ah bah voilà, tiens. Il euh, y a aussi un autre photographe hein, parmi nous, euh, Jean-José, qui est un excellent photographe également, qui photographie les musiciens en noir et blanc. Très artistique. Euh, donc, euh, tu as vu, Jean-José, je te fais de la pub en plus. <laughs> euh, donc, euh, alors en fait, les... Les cours d'Armica à domicile, bah, c'est bien. Vous avez le prof en direct, vous avez le prof en, en chair, en os. Bon, ça, c'est super, vous pouvez le toucher, tout ça. <laughs> donc, euh, donc, ça, c'est bien. Mais, euh, alors, il y a juste deux contraintes. Donc, c'est pas... On s'en sort. J'ai donné des cours... Enfin, euh, je continue de donner des cours à domicile depuis des années. Donc, euh, c'est pas gênant du tout. Attention, il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir de, de son micro. Ce n'est pas bien, Michel. Touc, je coupe ton micro. Donc, euh, le... En fait, c'est simplement qu'il y a deux contraintes euh, importantes, c'est le planning à suivre, hein, parce qu'évidemment, euh, le mieux c'est de se voir une fois par semaine. Donc moi, je préconise une heure, de une heure 30 de cours par semaine, ce qui fait, que, comme ça, on a le temps de faire de la technique, euh, faire euh, un peu de théorie musicale et euh, beaucoup de pratique. Mais on, on peut faire les trois en une heure et demie. Et bon, il faut quand même le suivre, c'est-à-dire que si vous, vous dites, bah ouais, mais là, bon, je ne suis pas tellement en forme, Ah bah là, il y a l'anniversaire de mon fils, Ah bah là, je pars en voyage, euh, oh bah là,.. Euh, bah non, j'ai pris un rendez-vous chez le dentiste, à ah bas plein, en plein en cours d'harmonica, bah tant pis. Bon, évidemment, euh, c'est un peu plus difficile pour suivre les cours, et moi j'ai l'expérience, pas tous heureusement, mais de quelques élèves qui me disaient, bah il y avait, il y avait toujours un, un truc, euh, ah bah zut, ah ouais, parce que c'était le samedi après-midi, puis de temps en temps il sortait avec les copains, puis il oubliait le cours, quoi. Bon, alors à un moment donné, c'est bah, pas grave, on, on a qu'à se voir une fois tous les 15 jours, puis après on se voit une fois par mois, puis si nous on se voit une fois par mois et qu'on loupe une fois, bah après on se voit plus, donc c'est... Faut, il faut, donc c'est faisable, simplement il faut être strict là-dessus, il faut, il faut suivre son planning, ok Et puis respecter l'horaire, alors ça par contre c'est un peu plus difficile, parce que euh, bah, moi qui vis en Ile-de-France, euh, quand je me déplace à domicile, euh, même quelques fois en province, j'ai eu parfois des élèves dans l'Oise, <coughs> ben bah, en fait bah, il faut respecter l'horaire, et avec les horaires de train c'est pas toujours évident, euh, quand il y a des grèves c'est encore pire. Alors, moi, j'essaie toujours d'être à l'heure, quoi. J'aime bien être ponctuel. Mais quand j'ai 3, 4 ou 5 élèves dans la journée et qu'il y a un gros problème de train et qu'on reste bloqué pendant une demi-heure, bah, ça décale tout le monde. Ça, c'est pas évident, quand même. C'est pas agréable pour les élèves, c'est pas agréable pour moi, c'est agréable pour personne. Donc, c'est faisable, mais il y a forcément des contraintes. Bon. Et ben, bah, en fait, pourquoi j'ai créé cette école internationale d'harmonica Bah, à la base, c'était à la fois parce qu'il y a des gens qui m'appelaient, qui me connaissaient de réputation, qui me disaient il n'y a pas de prof dans ma région, donc. Euh, ben, J'aimerais bien, euh, bien trouver quelqu'un. Et aussi parce que c'est beaucoup plus pratique que les cours à domicile. Euh, Guy dit, est-ce que tu te déplacerais à Montpellier mmh, Alors, je pourrais me déplacer à Montpellier, effectivement, pour animer un stage. Ça, ça ne me dérange pas du tout, j'ai déjà fait. Hein, je me suis même déplacé jusqu'en Espagne. Donc, il euh, n'y okay, <laughs> a pas de problème. Non, mais franchement, donc euh, le, le, le fait est qu'effectivement, je ne peux pas me déplacer à Montpellier pour donner un cours privé. Alors, il y a même une personne, une fois, qui était en Bretagne, qui m'a dit Mais écoute, si tu veux, je te paye une, une semaine de cours et tu m'apprends à tout jouer dans une semaine. Euh, moi, je veux bien, mais enfin, euh, c'est pas, un, pas une formation sur Excel, quoi. C'est une formation sur Excel, je peux t'apprendre toute la formation. Bon, voilà, tu fais les choses au fur et à mesure, mais à l'harmonica, bon, il faut trouver les premières notes. Au début, c'est pas évident, il faut imaginer ce que tu fais, il faut revoir les vidéos de cours plusieurs fois. Enfin, c'est pas possible d'avancer euh, extrêmement rapidement en une semaine, quoi donc euh, c'est pas, pas tellement faisable bon, c'est pour ça qu'il existe des cours en ligne okay j'essaie de lire votre conversation en même temps euh, je te loge et te nourris dit guy ben, très bien très bien donc tu me payes c'est si tu me payes le voyage tu me loges, tu me nourris et non mais franchement je, je plaisante pas euh, Guy on a, on a fait un stage ensemble en ligne si un jour tu veux qu'on fasse un stage à deux trois personnes et que de trois élèves et que euh, bien sûr que les frais sont payés et eh ben je viens avec plaisir avec plaisir il n'y a pas de problème quoi je te dis, je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas de raison que je ne le refasse pas. Simplement, je ne peux pas le faire, évidemment, en, en cours privé, ça c'est évident. Alors, donc, euh, alors, en fait, il existe une formation en ligne. Alors regardez ça un peu. Est-ce que vous le reconnaissez Est-ce qu'il se reconnaît lui-même Ah oui, je <laughs> n'ai pas changé, c'était il y a quelques années. Euh, oui, exactement. Bravo, Guy, tu as reconnu Jean-José. Et oui, voilà. Donc c'est un programme en ligne où tu, suis ton, tu fais ton propre programme. C'est-à-dire que là on voit Jean-José qui joue de l'harmonica dans la nature avec euh, une superbe. Euh, il nous avait fait une super vidéo pour jouer un, un des morceaux qui s'appelle euh, euh, Voyage sur la euh, Voyage sur la Volga, je crois, ou Voyage vers la Volga, il me semble bien. Et donc euh, c'est un morceau que j'ai composé pour les élèves dans la formation complète. Et donc il m'avait fait l'honneur en fait parce que c'est vraiment ça m'avait vraiment touché de jouer ce, ce morceau. Euh, euh, donc euh, voilà, en, en, en regardant la nature. Et bien, c'est exactement ce que tu peux faire avec la formation euh, complète, avec toutes les formations que, de l'école internationale d'harmonica c'est que tu peux suivre ton programme partout où tu es, donc soit sur un PC, soit sur un Mac, soit sur un téléphone, sur une tablette. Et donc, tu as ta formation qui est aussi, euh, aussi portable que l'harmonica. Et donc, euh, bah, tu peux jouer n'importe où. Donc, tu suis et tu peux aller dans la formation quand tu veux, tu n'es pas obligé de, de t'astreindre à un horaire et, à, à, et un jour particulier. Si tu as un peu de temps, tu regardes un peu plus de cours. Si tu avances, avances un peu moins vite, et ben, tu regardes, tu avances un petit peu moins vite. Tu fais ton propre programme. Donc, c'est ça l'avantage de, de l'école d'harmonica. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui... Euh, ben c'est pour ça que j'ai réussi à former à peu près 125 élèves par an. Parce qu'évidemment, en cours particulier, je ne pourrais pas être, être là pour être présent pour 125 élèves. Ce serait un peu beaucoup. Ok euh, alors, euh, voici les, alors il, y a, il y a plusieurs formations en tout et pour tout dans l'école d'harmonica. Il y a 40 formations disponibles, mais je ne vais pas de parler, parler de 40 formations, surtout qu'il y a des formations bien spécifiques. Mais je vais parler des, des deux principales, donc, qui sont la formation complète et le clan des bluesmen. Voilà, donc euh, euh, la formation complète pour les grands débutants et même pour ceux qui, qui ne sont pas débutants. Mais qui, par exemple, veulent à le prendre à altérer ou à jouer les overblows. Donc, on n'est pas obligé de commencer la formation complète dès le début. Donc, ça, c'est à voir ensemble au téléphone. On se dit Ok, bah oui, je vois ton niveau. Toi, t'en es, es, es plutôt aux altérations. Donc, je te mets directement dans le module 7. Ou, euh, bah écoute, toi, les altérations, ça va bien. T'as envie de travailler les overblows, je te mets directement dans le module 12. Ok Voilà. Donc, c'est. Euh... Et puis, le clan des bluesmen, c'est pour ceux qui ont déjà fait au moins 6 euh, mois d'harmonica, ou en tout cas, qui savent déjà jouer les, euh, les notes naturelles. On n'est pas obligé de, de savoir jouer les altérations pour commencer euh, la formation Clan des Bluesmen, mais euh, c'est euh, au bout de six mois de, de formation du Clan des Bluesmen, en fait, euh, on commence à altérer, d'accord Donc euh, le principe de, du Clan des Bluesmen, c'est que euh, on, on a quatre, euh, quatre, mois de, tu as quatre mois de cours pour, euh, pour commencer à improviser sur les accompagnements de blues et après à partir du euh, du cinquième mois cinquième module, tu apprends à jouer des morceaux célèbres. Voilà. Ok. Et alors, en, en complément de la, de la formation complète, euh, tu peux aussi avoir des, des cours complémentaires. Alors tu pourrais dire, tiens c'est bizarre, je croyais que la formation était complète, pourquoi il y a des cours complémentaires Eh bien parce que euh, si, tu veux, euh, euh, si tu veux que je t'aide en direct, hein, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein, mais si tu viens avec ton harmonica et que tu veux que je t'aide en direct, ou si tu veux que je réponde à tes questions ou si tu veux que euh, euh, bah si tu veux avoir des progresser pour euh, avoir une meilleure oreille musicale par exemple ou avoir un peu plus de culture musicale eh bien il y a une formule qui s'appelle les agoras. Donc il y a quelques habitués ce soir qui vont aux agora. Ah oui donc ça c'est la, la formation complète. Je vais te montrer tout à l'heure exactement ce qu'il y a dans la formation complète. Et voici les agoras. Voilà, donc on reconnaît quelques têtes là qui sont là ce soir. Jacques, euh, Guy, euh, Carmen, Christian, voilà. Vous voyez, c'est, il euh, y a une bonne ambiance dans les agoras. <laughs> c'est franche rigolade. Bon, on travaille quand même. Hein, on ne fait pas que s'amuser, mais, euh, mais voilà, on, on travaille dans, dans la détente, quoi. On fait pas, hein, c'est pas, c'est pas une contrainte. Hein, c'est, euh, un plaisir. Euh, D'ailleurs, il y a, il a le noyau dur. Là, je reconnais Carmen, je reconnais Jean-José euh, qui sont euh, et Jacques qui sont souvent dans euh, dans les agoras. Voilà, voilà. Ok, je regarde s'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Oui. Alors, donc, euh, euh, on oui, on s'amuse beaucoup, Diggy. Bon, ben bah, voilà, mais on travaille, hein. rassure les autres, rassure les autres, on travaille quand même. Bon. Ok, bon, très bien. Et vous progressez. Hein. Alors, on va, voir ça en, on va voir ça ensemble. Je vais simplement vous montrer le contenu de la formation complète parce qu'il y a aussi de la nouveauté. Alors, comment on fait pour arriver dans le catalogue de formation bah, Quand vous êtes sur le site armaudiatodjazz.com, vous avez une partie qui s'appelle formation stage. Donc vous voyez un menu qui se développe ici. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas Oui Alors, tac. Donc euh, quand vous arrivez ici, formation stage, vous là, là vous avez le catalogue des formations et le catalogue des stages. On va voir formation. Donc, quand vous cliquez ici, en fait, vous quittez le site harmodiatojazz.com euh, et vous arrivez sur un autre site qui s'appelle harmonicabluescountryjazz.com. Ça me permet en fait de distinguer le, le site public, on va dire, et le site où sont hébergées les formations, pour ne pas mélanger tout. Quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus facile à gérer et pour vous également. Euh, super, vous êtes 21. C'est génial. Alors, donc on va regarder en détail la formation complète. Donc vous cliquez ici et vous arrivez sur le programme. Bon, je ne vais pas refaire toute la liste, mais le principe, en fait, c'est que... Donc vous pouvez voir ça en détail. Hein. Euh, tiens, Cyril vient de s'inscrire à la formation complète. Euh, et donc euh, voilà, donc tout le détail de la formation. Et le principe, c'est que c'est classé par module de cours. Vous voyez, donc par exemple, ici, vous avez 14 leçons en vidéo dans le... Ah bah tiens, Elisabeth, qu'elle est là ce soir, c'est inscrite aussi à la formation complète. Donc euh, vous avez 14 leçons en vidéo hein, pour jouer les premières notes, les premiers effets, imiter les trains à vapeur. Et deux morceaux inédits. Donc ça, ce sont des morceaux que j'ai composés spécifiquement pour les élèves, ce qui te permet de, de déjà te faire plaisir, alors que tu te dis, mais attends, mais j'en suis qu'à un mois d'harmonica, comment je fais Bah si, tu vas être capable de jouer tes premiers morceaux. Voilà, donc je t'ai mis les, un peu le détail. Module 2, ensuite, bah dans Module 2, on commence à avoir les premiers rythmes. On commence à avoir les notes, on commence à se déplacer de manière fluide sur l'instrument. Voilà, Module 3, on commence à, à maîtriser un peu plus la technique. Voilà, on commence à, à jouer des morceaux un peu plus évolués. Et à chaque fois, il y a deux morceaux. Euh, module 4, ok, donc là... Euh, voilà, on, on, on commence à avoir plus de rythmes, module 5, module 6, etc. Et là, j'ai mis que le programme des 6 premiers modules. Mais il y en a plein d'autres, ça va jusqu'à 18. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc vous avez un accompagnement par email. On va reparler de ça tout à l'heure. Et alors, la nouveauté. Alors voici les personnages, parce que plutôt que de montrer mon, ma tronche à tout, tout, tout le temps, j'ai fait intervenir plusieurs personnes. Donc vous avez Damien, donc c'est des petits personnages de BD euh, qui vous parlent avec des voix différentes. Je me suis amusé à faire ça. Donc Damien, l'instructeur qui parle de toute la partie euh, histoire de la musique et les cours théoriques. Luc, le mécanicien, qui vous apprend à démonter et remonter l'harmonica dans le bon sens. Euh, Yon Chao, qui vous apprend à euh, nettoyer l'harmonica et l'entretenir. C'est très important pour le faire durer. Euh, Akand, qui vous apprend comment vous relaxer et vous débarrasser du track. Anche, le co-sportif, qui vous fait travailler les rythmes. Euh, Hubert de Frecinet, le skipper, qui vous euh, propose des exercices de navigation, c'est-à-dire comment on se déplace de manière fluide sur l'instrument sans toucher les, les notes adjacentes. Euh, William, pour tout ce qui est interprétation et improvisation, Pierre orthophoniste pour euh, des exercices pour reconnaître les sons et développer son oreille musicale et moi je suis ici, oh, j'avais les cheveux très longs à l'époque. Et <laughs> donc euh, je vous présente les effets de l'harmonica, les altérations surtout et euh, les morceaux de votre répertoire. Voilà. Alors donc on va passer tout ça. Alors voilà, les Agora j'ai mis quelques quelques témoignages d'élèves sur les sur les Agora, vous pourrez lire tout ça. Voilà, donc on a euh, Carmen qui est là ce soir, Alain, Christian qui est là ce soir, Joël, Florence, Guy qui est là ce soir, Edmond, Jean-José qui est là ce soir, Jean-Jacques également. Et voilà, donc en fait tu as deux possibilités, soit tu prends la formation complète seule, ce qui est déjà pas mal parce que tu as un module de cours chaque mois et deux morceaux à jouer, et si tu prends la formation complète plus les agora, eh bien, tu as, euh, bah, tu as la formation complète, évidemment, plus 4 heures de cours en petits groupes. Hein, donc, c'est deux séances de 20h30 à 22h30, mais c'est le mardi soir. Euh, des échanges avec les autres élèves, donc beaucoup plus euh, convivial que ça. On va dire qu'en qu ce moment, là j'ai dû couper vos micros parce que vous êtes nombreux, mais là tout le monde se parle, etc. Et c'est euh, ce qui fait que bah, des fois on se raconte des blagues, mais surtout on travaille beaucoup ensemble. Et il y a beaucoup d'échanges entre les élèves. Euh, ensuite, euh, les réponses détaillées à toutes vos questions, évidemment. Suivi personnalisé en direct, parce que là évidemment, euh, parfois si vous avez un moindre, le moindre souci, vous dites, Ah tiens, il y a un truc que je n'arrive pas à faire à l'harmonica, je vous écoute, je vous corrige aussitôt. Quoi. Euh, acquiert une solide oreille musicale, parce qu'on fait beaucoup d'exercices, euh, beaucoup de, de jeux musicaux pour que vous ayez une meilleure oreille et que vous développiez votre oreille musicale. Et la rediffusion des agora avec un accès à vie, donc toutes les séances enregistrées dans les 24-48 heures, vous recevez la rediffusion euh, de l'agora. Euh, euh, oui, oui, sur Digi. Très bien. Ok. Voilà. Et... Euh, donc, voilà, ça, donc ça, c'est la, la nouvelle formule. Donc vous avez formation complète plus agora. Si vous voulez vous inscrire et trader en, en, en direct. Ok, alors euh, j'ai une, une autre question à vous poser. À votre avis, enfin euh, en tout cas notamment pour les euh, pour ceux qui sont déjà dans les formation, vous même ceux les, les nouveaux éventuellement peuvent répondre. Euh, Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes bloqué Donc c'est ça que alors je vais vous montrer ça à votre avis. Par exemple, vous êtes bloqué sur, euh, sur un cours, il y a un truc qui, qui vous gêne. Euh, donc là, je parle simplement, vous êtes en train de suivre les cours euh, et vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous faites Alors, j'ai préparé un petit questionnaire pour vous. Tout voilà. Voilà, si vous avez une question sur un cours et que vous êtes bloqué, que faites-vous Donc, répondez, vous avez droit à une seule réponse. Voilà. Donc, quand tu as une question sur un cours de ta formation à laquelle tu ne sais pas répondre, même après avoir cherché par toi-même, que fais-tu en priorité Est-ce que tu demandes à Bertrand de stopper net ta formation Je ne comprends plus rien, donc on arrête tout. Ou est-ce que je continue quand même le cours, mais je finirai bien par comprendre un jour Est-ce que je pose ma question à Bertrand par email Est-ce que j'appelle Bertrand sur son téléphone fixe Est-ce que je publie un post sur le groupe Facebook de l'école harmonica Ou est-ce que je porte plainte au commissariat de police Bon. Allez, vous êtes... Euh, ok, il y a déjà 20% des personnes qui ont répondu. Ok. Voilà, déjà 40%, c'est bien. Bonne participation. Ça fait plaisir. Je vois que vous êtes motivés. 45%, 50%, ça y est déjà la moitié qui ont répondu. Ok. Personne n'a encore répondu. Je porte plainte au commissariat de police. Ça me rassure, ça me rassure. J'imagine la police qui m'appellerait Qu'est-ce que c'est que ce travail Vous m'envoyez vos élèves <laughs> Il ferait un peu la gueule, à mon avis. Euh, ok, déjà 65% des personnes ont répondu. Alors, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs possibilités on peut faire plusieurs choses, mais ce que vous faites en priorité, Voilà la première chose que vous faites, qu'est-ce que ça peut être alors, Michel dit qu'il a un problème avec le son. Y a-t-il moyen d'améliorer les choses bah, C'est peut-être un problème de connexion chez toi. Si tu veux améliorer les choses, essaie de couper, euh, si tu as d'autres choses qui sont ouvertes, euh, Skype, par exemple, ou, euh, ou une fenêtre, euh, je sais pas, sur Internet ou quelque chose, essaie de couper le maximum de choses ou même des programmes qui, qui sont en train de tourner, je ne sais pas si tu as Word ou Excel qui sont en même temps. Essaie de fermer tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pour, pour être dans les meilleures conditions. Hein euh... Euh, voilà. Donc, euh, voilà ce que dit Christian, je continue de chercher le plus possible jusqu'à trouver une solution. Ça c'est une bonne démarche. Hein. Après, si vraiment vous êtes bloqué, que faites-vous C'est ça le, le principe. Alors, donc, ceux qui n'ont pas de webcam, sans doute qui n'ont pas vu le, le questionnaire, vous êtes combien à avoir une webcam ce soir Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Euh, bah non, apparemment vous êtes... Euh, même si vous n'avez pas de webcam en ligne, vous avez peut-être vu le... Vous avez peut le questionnaire, puisqu'il y a déjà 13 personnes 13 personnes sur 12, 13 personnes sur 20 qui ont répondu. Euh, voilà, voilà. Enfin, le 21e participant, c'est moi, non je ne vais pas répondre à mes propres, mes propres questions. Euh, ok, allez, encore quelques secondes, et je vous partage les résultats. Allez, encore 10 secondes pour répondre, si... Voilà. Peut-être qu'il y a des nouveaux, hein, donc évidemment. Mais vous pourrez répondre quand même. Vous pouvez dire, voilà, qu'est-ce que je ferais moi si, euh, si j'étais bloqué sur ma formation, qu'est-ce que je ferais Ok, allez, il y a eu 70% de réponses. C'est une bonne moyenne. Alors, voici les résultats. Donc, euh, alors, euh, la moitié dit euh, je continue quand même les cours, je finirai bien par comprendre un jour. Ouais. Alors, moi, je pense que ce n'est pas la meilleure démarche. Alors c'est bien de commencer à, à poser, enfin, vous poser la question ou même à poser la question à d'autres, mais ne continuez pas la formation si vous n si vraiment vous êtes bloqué. Je ne sais pas pourquoi il y a un moucheron ici. Il n'est pas invité, lui. Tu ne fais pas partie de la réunion de rentrée. <laughs> euh, si euh, si, comment, euh, si vous, vraiment vous êtes bloqué, il y a un truc qui vous gêne. Ne, ne, enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer la formation. Mais il faut vraiment me poser la question avant, quoi. Parce que le problème, c'est que si vous avez une lacune et que vous vous dites, bon, c'est pas grave, je finirai bien par, par comprendre un jour, eh ben vous allez rester avec des lacunes, et puis quand ça va, les cours, normalement, ils ne se complexifient pas. Si vous suivez bien la, le, le fil des cours, il n'y a, a pas raison que ça se complexifie. Évidemment, si vous allez directement du module 1 au module 12, ça vous, vous allez trouver ça complexe. Mais... Euh, si, si par exemple vous arrivez au module 3 et que vous dites, bon, j'ai des lacunes dans le module 3, j'ai un truc que j'ai pas bien pigé, arrive au module 6, ça commence à devenir très compliqué pour vous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment poser la question. Moi, je vous réponds assez rapidement, dans les 24 heures. Okay Donc, il euh, n'y a, y a pas de raison de ne pas poser la question. Okay et surtout, n'ayez pas peur, parce que souvent on me dit, ouais, mais c'est une petite question un peu nulle. quoi. Euh, bon, je suis désolé. Hein. Non, il n'y a pas de question nulle. Toutes les questions sont pertinentes. Okay Donc, ne faut pas hésiter. Donc, il euh, y en a une un qui a répondu je demande à Berdan de, de stopper de ma formation. Bah, Ce n'est pas la peine. Après, tu as la possibilité de stopper ta formation et de revenir un peu plus tard. On va vers ça tout à l'heure. Mais euh, si tu as une question à poser, ne, ne, ne stoppe pas euh, ta formation pour la, pour la, 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 la première question. Euh, alors, la personne qui a répondu ça, je veux bien qu'elle mette dans la, dans la fenêtre de conversation pourquoi elle veut stopper sa formation. Et euh, voilà. Et à la fin, à la fin de la séance, si vous avez des questions par oral, je vous, je vous interrogerai. Mais là, euh, pendant la séance, c'est mieux de, de poser la question dans la fenêtre de conversation. Comme ça, moi, je déroule tout le tout, tout le tout le déroulé. C'est le cas de le dire. Je déroule tout et à la fin, je prendrai toutes vos questions directes. Euh, donc, la meilleure option, effectivement, c'est de me poser la question par email. Vous avez aussi la possibilité de, de poser la, de, des questions euh, sous les cours. Ou je publie un post sur le groupe Facebook de l'école harmonica, ça c'est une très bonne démarche également, parce qu'on va voir le, le groupe Facebook vous permet de communiquer entre vous. Donc effectivement, de, le fait de, de communiquer entre vous, bah, ça vous permet de, de essayer de trouver les solutions ensemble. Et ça c'est une très bonne, euh, effectivement une très bonne démarche. Alors, je reprends le déroulé de mon programme. Euh, voilà. Donc en fait, donc, ce qui est pratique avec euh, cette école, c'est que. Alors voilà, on a vu que l'on est blues, voilà, si vous êtes bloqué dans votre formation, hein, si vous êtes un peu perdu, euh, voilà, oh là, là mon dieu, comment je fais pour, à, pour aller à la suite, Eh bien tout simplement, vous me posez la question par email. Donc soit vous me posez la question dans la zone de commentaires qui est euh, dans, dans les cours, soit vous m'envoyez un email, et à ce moment-là, moi je vous aide. Okay? Moi, je ne vous lâche pas. Ce n'est pas parce que vous avez pris une formation en ligne que je vous dis, allez, vous vous débrouillez. Il y, a, il y a des formations, moi que j'ai prises, euh, par exemple, pour, euh, sur la bureautique, euh, bah, sur un site, OK, bon, très bien, j'ai ma formation sur la bureautique. Il y a un truc que je pas à faire, je ne comprends pas. Bah, je ne peux pas poser la question à l'intervenant. Donc, euh, bah c'est tout, j'oublie de me débrouiller par moi-même. C'est un peu gênant. Moi, non, je vous suis tout au long de votre formation. Quoi. Hein? Même si vous arrêtez les cours bah, et que vous voulez continuer, bah, on, je peux continuer de... de Voulez qu'on reste en contact, eh bien, je continue de, de vous accompagner. Il n'y a, a jamais de moment où je dis bah, stop, tu as raté les cours, maintenant tu te débrouilles. Quoi. Okay? Même les anciens élèves, hein, même il y en a même qui, qui, ont, qui ont pris des cours il y a, a 4-5 ans, de temps en temps me disent Ah, au fait, tiens, j'ai une question à te poser, je réponds. Okay? Euh, alors, Francis dit Je préfère stopper, réussir et reprendre plutôt que devoir, de vouloir passer outre et m'enterrer. Okay? Alors, justement, je vais en parler de ça tout à l'heure, Francis, c'est une bonne, une bonne remarque. Mais euh, si tu as une simple question, c'est pas la peine d'arrêter pour... Euh, tu, tu peux me poser la question. Si a, effectivement tu as un problème parce que tu n'arrives pas à avancer, là je vais en parler tout à l'heure. Mais c'est effectivement une, une, une bonne question. Euh, alors, j'ai encore une question à vous poser. Vous voyez, je vous fais participer ce soir euh, à propos des problèmes de connexion. Imaginez, vous avez pris votre formation, vous avez reçu... Euh, euh, vous avez reçu votre, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et est impossible de vous connecter. Ça peut arriver, hein, le, les, on dit souvent que les, les voies de l'informatique sont impénétrables, hein? bon. donc, euh, mais il y a, y a possibilité de, de résoudre les choses. Alors, voici la, la question que je vous pose. Donc, je vous publie un autre questionnaire, celui-ci. Que faire en, en cas de souci de connexion donc, si tu as un souci de connexion pour te connecter à ton espace membre, que fais-tu en priorité Est-ce que tu appelles un ami qui se connaît bien en informatique ou une amie Est-ce que tu m'appelles sur mon téléphone fixe Est-ce que tu m'envoies un email Ou est-ce que tu publies un post sur le groupe Facebook de l'école Alors, déjà deux réponses. Très bien. Là, je n'ai pas remis l'option euh, je porte plainte à la police. <laughs> J'appelle la cybersécurité. Non, ce n'est pas la peine. Euh, très bien, 9 personnes qui ont, euh, qui ont déjà répondu. Déjà, voilà, déjà plus de la moitié. Enfin, la moitié ont déjà répondu, c'est bien. Vous êtes réactifs, ça fait plaisir. Euh, Guy dit « Je vais chez Orange ». Ah oui, donc là, si c'est vraiment un problème de connexion, parce que, euh, parce que tu sais que tu as un problème de connexion à Internet, là, c'est un peu différent. Mais là, je parlais de... De... En fait, même si on a une bonne connexion internet et qu'on a son identifiant et son mot de passe, et malgré tout, on n'arrive pas à accéder à ses cours, qu'est-ce qu'on fait quoi? Voilà. Euh... Ah voilà, donc Elisabeth dit personnellement, c'est une très bonne remarque de la part d'Isabelle, je dois copier-coller mon mot de passe, car quand je le tape, il n'accepte pas, il me le redemande. Bah oui, parce que en fait, il y a... Bon, parfois, euh, on peut faire une faute de frappe, hein, comme les... j'ai fait exprès que euh, les mots de passe soient hyper compliqués, parce que si le mot de passe est AB56, par exemple... Bon ben bah là c'est facile à enfin quelqu'un un, un pirate un cœur qui essaie de, de trouver votre mot de passe ab 56 il met pas longtemps avant de le trouver moi je suis incapable de savoir comment on fait pour trouver un mot de passe comme ça bon je je suis pas informaticien il euh, faut vraiment se spécialiser là dedans mais je sais que donc faut, faut avoir des, des codes avec des, des symboles des caractères spéciaux des majuscules des minuscules enfin, des trucs impossibles à retenir quoi à moins d'être euh, enfin je sais pas d'être autiste et de euh, d'avoir vraiment une mémoire là dessus c'est impossible à retenir. Et du, du coup, si vous recopiez tout, bah, des fois, vous faites des, des erreurs de frappe, ça arrive. Quoi. Ou des fois, on met une espace après ou, ou avant. Donc, euh, donc, le mieux, effectivement, comme le dit Elisabeth, c'est copier-coller. Vous avez même une option euh, euh, que vous pouvez cocher quand vous arrivez sur votre espace membre, où vous n'avez pas besoin de, de retaper le mot de passe. Dès que vous mettez votre adresse email, le mot de passe se met automatiquement. Euh, alors. Euh Ok, il y a certains qui ne peuvent pas voter parce qu'ils n'ont pas de webcam. Apparemment, ils ont des problèmes pour voir le, le questionnaire. Je peux comprendre. Euh, tuk -tuk. Euh, Christian dit, je te contacte, je l'ai déjà fait, mais je vais demander au voisin, un Canadien, un informaticien, j'ai toujours ce problème de connexion par mes favoris. Donc, alors oui, si c'est un problème de connexion internet, bien sûr, il faut... Il faut moi, je ne peux pas. Encore que, encore que. Je vais vous parler de ça dans quelques secondes. Ok, donc encore 20 secondes et puis je vous partage le, le, les résultats du questionnaire. Parce qu'il y a effectivement des nouveautés dans l'école internationale d'harmonica. Moi, je ne suis pas informaticien, mais je sais m'entourer et je vous parle de ça dans, dans quelques instants. Allez, encore 5 secondes. Il y a déjà bah, 65% des gens qui ont répondu, c'est pas mal. Et surtout que tout le monde a presque répondu la même chose. Donc, je vous partage les résultats. Donc, il euh, y en a un qui dit ⁇ J'appelle Bertrand sur son téléphone fixe ⁇ très mauvaise démarche, <laughs> il faut pas faire. Pourquoi Parce que, euh, en fait, l'idée, attention, ne, Franck, si te, euh, Michel, pardon, ne mets pas ton micro en route ah. maintenant, parce que ça fait des bruits parasites. Merci, je coupe ton micro. Alors, donc, euh, je, je disais, en fait, euh, m'appeler sur mon fixe, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi C'est pas que je ne veux pas répondre. C'est qu'en fait, bah quand je, je crée un cours et j'en fais plein, vous voyez, pour la chaîne YouTube ou pour les, les formations, bah je coupe mon téléphone, quoi. Forcément, je vais pas... En, quand je suis en train d'enregistrer, si jamais ça, ça sonne, c'est un peu gênant. Donc en fait, vous risquez de tomber sur mon répondeur, et le répondeur, je le consulte pas tous les jours. Moi, je le consulte à peu près deux trois fois par semaine, euh, parce que je considère que le téléphone fixe, c'est jamais des trucs urgents. Donc en fait, si vous avez euh, des, 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 des choses à me demander, il faut m'envoyer un email, ok alors, envoyez un email à Bertrand, très bien, et vous allez voir que euh, bientôt, vous allez envoyer un email à quelqu'un d'autre, donc je vous en parle dans quelques secondes, très bien. Donc effectivement, publier un post sur le groupe Facebook de l'école, bah, ce n'est pas tellement euh, intéressant, parce que bah, les autres ne connaissent pas votre mot de passe, votre nom d'utilisateur, utilisateur, ils n'ont pas le savoir, donc ce ne serait pas une bonne idée. Et puis bon, appeler un ami qui se connaît en informatique, oui, quand vous avez un problème de connexion Internet, mais pour les histoires de, de utilisateurs et mots de passe, c'est à moi qu'il vaut mieux poser la question. D'accord Très bien. Alors, euh, Michel dit, je crains les problèmes de connexion, et donc de faire plus, plus d'informatique que d'armo, la prof ce soir sur chez. Donc si tu as effectivement des, des problèmes, il y a aussi une autre possibilité, euh, Michel, tu fais bien de poser la question, il y a aussi la possibilité de te mettre la, toute la formation sur clé USB. Okay, donc, il y a un, un petit surcoût forcément pour recevoir la clé. Et donc, euh, je te mets tout sur clé USB, que tu reçois ça par la poste en, colis, euh, euh, en Colissimo, euh, Colissimo suivi, avec remise contre signature. Et comme ça, tu peux simplement brancher ta, ta, ta clé et suivre, le, et suivre évidemment l'information sur ton ordinateur que soit PC ou Mac, donc c'est aussi faisable. Il ne faut pas hésiter, c'est pour ça que certains me disent bah, « Ben oui, j'ai pas pris la formation parce que j'ai des problèmes de connexion. Ben » Bah non, il y avait une possibilité. Une fois, il y a une personne qui m'a contacté en me disant « Bon, voilà, je vous contacte du Larzac. Euh, » Bon, alors, par contre, j'ai... Oh là là, Internet, pour moi, c'est difficile. J'ai des problèmes de connexion. Et euh, pendant que je lui parlais, c'était dans les 30 minutes de, de, de cours offerts, de prise de contact, et, euh, et en fait, il y a encore quelqu'un qui a ouvert son micro... Michel, s'il te plaît, n'ouvre pas ton micro, voilà, sinon ça dérange les autres. Alors donc, euh, donc je disais, euh, en fait, pendant qu'on parlait, j'entendais clac, 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 clac derrière. Je me dis, qu'est-ce qu 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 qui fait ce bruit Il m'a dit, ah ben bah, c'est le groupe électrogène, parce qu'on n'a pas l'électricité. C'est le groupe électrogène qui nous amène l'électricité. Oh là, mon dieu Et le gars était motivé. J'ai mis, tu, tu, tu veux vraiment prendre des cours oh, Oui, mon fils m'a acheté un ordinateur. Il m'a montré qu'il il a, il a vu ton site. Il m'a montré qu'on pouvait prendre des, des cours sur Internet. Donc voilà. Mais je dis, mais comme évidemment il mettait à peu près 30 minutes pour lancer une vidéo, bah le mieux, c'est ce que j'ai fait, je l'ai ai tout mis sur clé USB, et comme ça il a pu suivre sa formation. Quoi. Voilà, il a, il a appris à jouer l'harmonica comme ça. Donc c'est tout à fait faisable. Euh, voilà, donc c'est ce que dit, euh, voilà, c'est le problème majeur. Euh, tous les cours via, sont via internet. Eh bien non, je viens d'expliquer qu'on peut les avoir aussi sur clé USB. D'accord Donc si problème de connexion, difficile de travailler l'harmonica sans support. Et bien si grâce à la clé USB, tu as la clé USB, tu n'as pas besoin de connexion. Et voilà, tu peux, tu peux travailler ton instrument. Il y a tout dessus, il y a tous les morceaux, il y a toutes les vidéos, il y a absolument tout. Maintenant, sur une clé USB, on peut mettre énormément de choses, ok Voilà. Alors, donc maintenant, je, justement sur le contact, je vous partage quelque chose de très important parce que jusqu'à présent, vous aviez une seule adresse email pour euh, pour me contacter. Et ben maintenant, il y a, euh, il y a, en fait, il y a trois adresses email maintenant. Voilà. Donc c des enfin, il y a trois nouvelles adresses email. Donc, alors. Pourquoi il y en a trois Eh bien, parce que je m'entoure d'une certaine. Enfin, il y a une équipe qui travaille euh, euh, dans les coulisses, c'est-à-dire qu'il y a une équipe autour de l'École internationale d'harmonica. Donc, c'est toujours moi qui donne les cours, il n'y a pas d'autres personnes. Mais pour toutes les gestions, euh, tout ce qui est à l'informatique, il, il y a déjà un informaticien qui travaille depuis un an et il y aura d'autres personnes qui vont, euh, qui vont gérer justement les problèmes de connexion et. Euh, et, euh, et l'histoire de pause dans la formation. Donc ça, c'était euh, une, une, une remarque de Francis, et j'en parle dans quelques secondes. Donc pour tous les problèmes de mots de passe, en fait, pourquoi il y a plusieurs euh, emails bah, Parce que euh, s'il y a plusieurs personnes qui gèrent ça, bah, ça évite de donner euh, les codes d'entrée, de, etc. Donc voilà. Une, euh, donc pour le moment, il y a une personne qui s'occupe de la partie informatique. Pour les questions de problèmes de mots de passe de connexion, c'est encore moi qui m'en occupe, mais bientôt, il y a une nouvelle personne qui va le faire. Mais j'ai besoin de, de compter pendant un mois ou deux combien il y a de problèmes de mots de passe et de connexion. Il n'y en a pas énormément, je vous rassure, mais ça peut arriver. Comme ça, ça me permet de quantifier combien il y en a. Et ça me permet de dire à, à mon euh, nouveau collaborateur, eh bien voilà, tiens, il faut que tu t'occupes de, par exemple, des problèmes de connexion, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure par jour pour, pour résoudre tout ça. Donc il y a une personne qui va vraiment, vraiment s'occuper que de ça. Donc pour tous les problèmes de mots de passe et de connexion, donc notez bien l'adresse. Euh, sur la feuille de papier, c'est important. Donc, c'est gestion.mp, mp comme mot de passe, arrobase, armo, D'accord Alors, <coughs> très bien. Ok. Euh, Francis dit, effectivement, je suis une grande partie de l'année en Afrique et la connexion est aléatoire. De ce fait, il m'est difficile d'adhérer aux agoras. Oui, effectivement, pour les agoras, bah, tu pourrais les suivre en, en rediffusant tout le temps, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux euh, d'intervenir en direct. Euh, alors, ensuite, pour les questions de cours... Donc là, bah, finalement, c'est moi qui vais répondre, mais euh, plutôt que de m'écrire à la question, enfin l'adresse email habituelle, euh, le mieux c'est que j'ai euh, une boîte mail uniquement pour les questions. Comme ça, euh, ça me permet de faire le tri, parce que les questions euh, des élèves sont évidemment prioritaires sur les autres, enfin sur les autres emails. Parfois je reçois des. des... Moi aussi, je m'inscris à des formations pour... Euh, pour apprendre, bah pour apprendre à faire ce genre de documents par exemple, bah, ce je ne savais pas faire avant. Donc il a fallu que je prenne une formation. Donc euh, je reçois aussi des emails de cette personne-là de mon propre formateur. Donc il euh, faut que je fasse le tri entre, entre, entre tous les emails. Donc le fait d'avoir euh, cette euh, adresse-là, eh ben, ça me permet de comme ça, de voir quelles sont les questions de cours. Donc euh, question au pluriel, .harmonica, armo, et Et puis ensuite, si vous voulez faire des pauses dans votre formation, parce qu'en fait... On n'est pas dans un conservatoire, j'ai rien contre les conservatoires, enfin, quoique, <laughs> j'ai quelques critiques à formuler sur les conservatoires, mais enfin, surtout, euh, dans un conservatoire, euh, bah, quand vous arrivez euh, dans, dans le conservatoire, vous voulez prendre votre formation, qu'est-ce que vous faites bah, Vous payez vos cours sur l'année, et si au bout d'un mois, ça vous plaît pas, eh ben, euh, bah, vous, tant pis, vous faites l'année, ou vous ne revenez pas, mais euh, vous vous inscrivez pas l'année suivante. Donc, moi, dans toutes mes formations, vous avez, bon, pas sur l'achat de l'harmonica, parce que là, évidemment, il y a 14 jours de rétractation si jamais vous changez d'avis, mais dans toutes les formations, euh, vous avez 60 jours satisfaits ou Ok Donc, au bout de 60 jours, avant le 60e jour, si vous dites, bah non, la formation ne me plaît pas, ou pour euh, X raison, vous n'avez pas le temps, je ne sais pas, vous avez. Une fois, il y a une personne, et c'est véridique, hein, qui m'a dit, euh, bon, j'ai commencé les cours d'harmonica, mais bon, finalement, ça ne me dit rien, je vais faire ping-pong. Je dis quoi, ping-pong Comment ça, ping-pong Quel est le rapport avec l'harmonica Ben bah non, en fait, je voulais faire une activité cette année. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais faire. De la musique ou du ping-pong, finalement, je vais faire du ping-pong. Ah oui, effectivement, là, je ne peux pas lutter. Là. Mmh. <laughs> bon, enfin voilà. Donc, euh, euh, alors, il y a même une personne qui, euh, qui voulait prendre la formation pour prendre des cours de trompette. Bon, là, il était tombé sur un article où je parlais un peu de la trompette, mais moi, bon, là aussi, il y a un petit, un petit problème d'aiguillage. Euh, voilà Et puis sinon, il y a une personne qui m'a dit Ouais, vos cours ça va pas du tout, Pff, on s'ennuie, etc. Mais bon, en fait, le, le, la personne avait pris le, la formation directement. Pourtant, il y a toute une explication sur à qui s'adresse la formation, essentiellement pour les débutants. Et lui, il est déjà professeur de musique, professeur d'harmonica il voulait prendre des cours avec moi pour avoir quelques infos en plus. Quoi. Mais évidemment, tu ne prends pas la formation complète au niveau 1, enfin, je veux dire au module 1, c'était déjà à mon niveau, quoi. Ouais, presque à mon niveau. Okay. Donc, mais alors, il y a aussi la possibilité de dire, ok, là, ou là, par exemple, bon, ça est arrivé pour Jean-Jacques qui n'est pas là ce soir. Euh, pendant trois mois, il est déménagé, quoi. Il est parti dans une autre région, donc pour lui, bah, c'était difficile de... Il avait toujours son harmonica en poche et son harmonica en bouche et dans les mains, évidemment, pour en jouer tous les jours, mais bon, il n'allait pas euh, voir les cours. Bah, D'ailleurs, il n'y plus de, il y avait plus d'ordinateur, il n'y avait plus rien. Donc euh, tout était dans les cartons. Donc il m'a dit, bon, écoute, est-ce qu'on peut faire une pause Bah ouais. Donc dans ce cas, si tu fais une pause dans ta formation, j'arrête ton prélèvement. De, tu... Conserve un accès à vie à tout ce que tu as pris jusqu'à ta pause. Et puis bah, trois mois après, il m'a dit c'est bon, je peux reprendre. Et là, on a rien enclenché le, les, les prélèvements et on a réenclenché les cours. Donc ça, ce n'est pas vous qui pouvez le faire maintenant, parce qu'il y a une, toute une maintenance à faire derrière. Et donc euh, une gestion. Et donc ça, c'est pareil, il y a une personne qui va s'occuper de ça donc, pour le moment c'est moi. Mais pareil, au bout d'un mois ou deux, je vous pourrais quantifier le nombre de pauses. Et je pourrais lui donner le travail à faire. Ce n'est pas difficile à faire, mais ça prend quand même un peu de temps. Et donc l'adresse email à laquelle il faut envoyer l'envie de faire une pause, c'est standby. C'est un mot anglais, quoi. Standby, donc standbyndby.com. Donc tous les problèmes, je récapitule, tous les problèmes de mot de passe, de connexion, c'est gestion.mp.armoidatujas.com. Toutes les questions de cours, donc toutes les questions relatives aux formations. Questions, pluriel point harmonica, au singulier@ jazz.com et toutes les poses dans l'information formation standby arm je bois un petit verre d'eau et je vous reprends dans quelques secondes alors eh on en a parlé un petit peu tout à l'heure il y a aussi donc une manière de, de rester en contact, ce sont les groupes Facebook. Il y a deux groupes Facebook. Voilà. Pour communiquer tous ensemble. Alors vous avez à gauche, vous avez un groupe qui s'appelle Envie de prendre un bon départ à l'harmonica. Donc ça, c'est pour ceux qui ne sont, euh, euh, sont pas encore euh, élèves et qui veulent avoir des, euh, des conseils pour démarrer euh, l'instrument. Donc ils ne connaissent pas forcément le site. Ils m'ont trouvé sur Facebook. Et donc, euh, bah voilà, ils il s'inscrivent dans ce groupe, et euh, donc c'est un groupe public. Hein. Et voilà, donc là j'ai mis par exemple ce qu'on voit ici, ce sont des témoignages d'élèves que vous retrouvez dans, dans le livret. Par exemple, Michel, qui a, je, je l'ai publié ici parce que je vois que Michel est poète. « Je viens de commencer à suivre les cours de Bertrand, je suis, très, je suis heureux comme un poisson dans l'eau qui gazouille comme un pinceau. <laughs> » Ça c'est original voilà, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est le groupe uniquement pour euh, ceux qui ne... Enfin, les anciens élèves peuvent s'inscrire pour aider éventuellement, le, à, pour répondre aussi à ceux qui, euh, qui n'ont pas encore pris de cours. Et vous avez à droite le groupe de l'école internationale d'harmonica. Alors ça, c'est un groupe privé. Donc la différence entre le groupe, euh, euh, le groupe public et le groupe euh, privé, c'est que euh, le groupe euh, privé, c'est... Euh, euh, tout le monde peut voir qu'il y a un groupe qui existe. Mais personne ne peut y entrer sans euh, mon autorisation. Et pour pouvoir entrer euh, dans ce groupe, il faut être élève de l'école. Okay Donc il euh, y a plusieurs personnes qui me disent « j'aimerais bien y aller, j'ai des trucs à partager, euh, mon prochain album, etc. » Non, non, c'est vraiment fait pour le, uniquement pour les, les élèves d'école. Donc qu'est-ce que ça permet de faire bah, Ça permet d'échanger entre vous. Hein, si vous connaissez un peu Facebook, vous pouvez partager des vidéos, euh, des choses comme ça, des infos. Euh. Euh, par exemple, Carmen récemment nous a m, partagé ses, ses photos de voyage. Bah, c'est sympa aussi de d'avoir de des nouvelles des, des, des autres élèves, de, des élèves. Et puis moi, je, je publie pas mal de sondages. Par exemple, il y en a un ici. Et euh, par exemple, pour les agora, bah, en fait, euh, moi, je vous donne le choix. Qu'est-ce qu que vous voulez travailler en priorité Et donc, euh, j'avais publié par exemple ici, Alors, c'est le 26 juillet, J'avais publié un sondage. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire Soit un exercice de reconnaissance rythmique à l'oreille, soit une analyse... Euh, d'une oreille d'une du, d'une d'accompagnement, soit un exercice de reconnaissance mélodique, soit une petite composition tous ensemble, ou un cours pour harmoniser une mélodie. Et chacun vote et puis bah une fois que j'ai la majorité, ok c'est ça qui vous intéresse et comme ça je peux préparer mon cours. Ok? Des fois je vous impose quelque chose parce que là j'ai remarqué que là il y avait quelques difficultés sur terre parties donc là il faut absolument qu'on travaille ça. Et, euh, et parfois, c'est vous qui faites votre propre programme. En fonction de là où vous en êtes et ce que vous voulez travailler. Quoi. Moi, je m'adaptais bien évidemment. Et par exemple, mardi dernier, euh, on, a, euh, on a fait tout un tour sur les, les différents sites de musique. Et euh, j'ai offert euh, beaucoup de, de tablatures de morceaux pour apprendre à jouer d'autres morceaux. Voilà, donc, on peut faire tout ça dans, euh, dans les accords. Donc là, c'est le, le groupe Facebook. Il est vraiment fait pour... Euh, pour que vous puissiez communiquer entre vous. Moi, je n'interviens pas tout le temps, je ne suis pas là à vous surveiller, mais de temps en temps, je, je mets des publications. Et comme ça, ça nous permet de communiquer en direct. C'est beaucoup plus facile de communiquer comme ça que de s'envoyer des emails dans tous les sens, quoi, ou de s'appeler dans tous les sens. C'est vraiment, vraiment important. Voilà. Ensuite, euh, bah, je voulais vous parler aussi de. Euh, alors, je vous ai dit en fait que, bah, effectivement, les cours sont en ligne, ou euh, je peux si évidemment vous envoyer euh, des cours euh, via clé USB il y a aussi la possibilité de suivre ce que j'appelle des week-ends d'immersion musicale. Voilà. Donc ça, ça se déroule chez moi ou chez vous, si vous êtes plusieurs et je peux aussi me déplacer dans votre région. Encore une fois, je l'ai déjà fait. Euh, donc, euh, donc ça, évidemment, il faut qu'on s'organise. Sinon, là, ce se passe chez moi. Les photos que vous voyez ici, ce sont des. Ce sont chez moi. Donc voyez, il y a... Si, si vous êtes aussi observateur que tout à l'heure, voir qu'il y a un piano ici, il y en a un autre là. Il y en a un troisième derrière moi, il y en a un quatrième <laughs> dans l'entrée, enfin il y a des pianos partout, et puis aussi beaucoup d'harmonica. Voilà, et donc euh, le principe c'est qu'effectivement on se voit pendant un week-end et on, on travaille sur quelque chose de vraiment, vraiment particulier. Donc ce sont soit des stages uniquement pour les harmonicistes. Là on a euh, trois harmonicistes ici. Voilà, tac. Avec ici ma doyenne. Hein, souvent quand on me dit ouais, je suis trop vieux pour commencer l'harmonica, bon, c'est pas bien de dire l'âge des dames, mais moi bon, les deux dos, donc... Euh, euh, allez, on. on aussi bah, allez. nous l'a déjà dit, Gaëtan, qui, euh, qui regardera peut-être la rediffusion, mais c'est une trans, très ancienne élève, qui a commencé la musique à l'âge de 89 ans. Bon, et elle a arrêté les cours d'harmonica, elle en avait 91, et elle jouait super bien de l'harmonica. Comme quoi, on peut commencer à tout âge. Euh, voilà, donc. Euh, les, les cours euh, donc chez moi près de Paris, donc soit avec seulement des harmonicistes. Voilà, on a encore un harmoniciste qui est ici, un ancien élève également. et vous avez aussi euh, bah, des pianistes, des guitaristes, euh, des saxophonistes. Il enfin, euh, euh, y a des stages en fait qui s'adressent à plusieurs, euh, à plusieurs, euh, plusieurs instruments. Là c'était un stage pour apprendre à composer en blues. Donc, composer en blues. donc évidemment si c'est un stage pour composer en blues, bah, il ne faut pas que les gens viennent pour. Euh, en tout cas, ces, ces, ces trois photos-là, c'est issu d'un stage pour composer en blues. Voilà. Et euh, ce stage-là, c'est pour apprendre à écrire ses propres tablatures d'après partition. Donc là, j'acceptais les débutants. Ce, euh, Alain qui est ici était euh, est complètement débutant. Et donc, euh, on apprend à, à prendre n'importe quelle partition, même si on n'a jamais fait de seule feuille de sa vie. On est capable, au bout de la, la première journée, d'écrire ses propres tablatures. Et le lendemain. Je vous propose des exercices pour réussir à écouter un morceau et savoir comment faire pour le transcrire d'oreille. Et puis, donc là, c'était un stage pour, pour apprendre à composer et improviser en blues. Okay Alors, je vous ai mis le planning de tous les stages. Donc, ça, ce sont les, les stages qui se déroulent chez moi, près de Paris. Voilà. Euh, la guitare aussi. Dit, oui, tout fait. En fait, euh, Guy demande mais pourquoi la guitare Que moi, je ne suis pas guitariste, je suis ukuléliste. Euh, donc je, je joue euh, de l'harmonique, de l'harmonica, du piano, de la flûte, du ukulélé, euh, du didgeridoo, un petit peu d'accordéon, je suis en train de débuter l'accordéon, mais je fais pas de guitare, mais en fait je connais la guitare, bon, parce que je compose pour la guitare, je connais bien cet instrument, j'ai souvent l'habitude de, 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 de jouer avec des guitaristes, mais en fait je n'ai pas, pas appris à... à, à il s'appelait Mathieu, à Mathieu je ne l'ai pas appris à jouer de la guitare. Hein, il arrive, il, a, il était déjà euh, musicien de heavy metal, mais il s'intéressait au blues. Et donc, euh, bah, je dis Ok, tiens, voilà, tiens, joue-moi telle phrase de blues. Bah, il joue la phrase de blues parce qu'il connaît ses notes. Okay, donc, ce ne sont pas des techniques d'instruments. Hein. Évidemment, je ne vais pas donner un cours de guitare alors que j'en ai jamais joué. Ce ne serait pas logique. Des cours de ukulélé si, mais pas des cours de guitare. OK Donc, c'est pour ça qu'on peut faire des, des cours. Euh, J'ai déjà donné des cours euh, à des accordéonistes alors que je débute l'accordéon. Pourquoi bah, parce que on, on, je ne parlais pas de technique de l'accordéon. Je parle. Parfois, certains me disent "Ouais, tu fais tout. Comment tu peux être au top dans, dans ton de domaines bah, tout simplement parce que une fois que vous connaissez la musique, vous pouvez enseigner à n'importe qui, enfin n'importe quel instrumentiste. D'accord et alors, après, bien sûr, quand vous voulez apprendre des techniques d'instruments, bah là, évidemment, faut il savoir, faut savoir en jouer. C'est évident. Okay? Voilà. Donc, voici les, les différentes dates. Voilà. Donc Vous avez intégré le rythme dans son corps. Donc, ça, c'est parce que quand on joue un, une musique, si vous comptez. Alors, c'est bien de compter les rythmes, ce qu'on appelle sophier les rythmes quand on, quand on apprend un morceau. Mais euh, quand vous jouez, il bah, ne faut pas compter. Quoi, parce que si, si vous devez penser à vos notes, aux effets. Euh, vous comptez les temps, euh, vous faites attention au placement rythmique, et puis euh, vous faites penser à la chorégraphie. Si vous êtes sur scène ou devant les amis, euh, bah vous, en, vous, vous, vous ne vous en sortez pas parce qu'il y a trop de choses à penser. Donc, il faut que ça devienne naturel. Et pour que ça devienne naturel, il y a ce stage donc qui s'appelle euh, intégrer le rythme dans son corps. Donc, on fait plein d'exercices physiques. Donc, ça, on peut pas faire un stage en ligne avec ça, c'est impossible. Il faut vraiment le, le faire. Euh, euh, il faut le faire euh, de manière physique il y a beaucoup de exercices physiques on, on marche euh, on, on saute on tape euh, avec les mains avec les pieds avec les genoux etc il y a beaucoup de choses à, de choses à faire et donc c'est donc sur un week-end donc à chaque fois, c'est 12 heures de stage, donc 6 heures le samedi, 6 heures le dimanche, et vous repartez avec un gros bouquin que vous remplissez en fait au fil, au fil de, du week-end d'immersion musicale. Et comme ça, vous repartez non seulement avec, euh, bah déjà vous avez bien progressé, puisque en un week-end, généralement, on, on, on progresse de 6 mois d'un coup, parce qu'évidemment, bah on, on se voit pendant 12 heures, donc, et puis en plus, il y a de l'interaction avec les autres stagiaires. Et en plus, vous repartez avec un, un fascicule euh, qui vous continue de vous suivre et qui continue de vous faire progresser tout au long de votre formation musicale. Ensuite, le, 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 le week-end suivant, donc, donc là c'est le, le 7 et le 8 décembre 2019. Écrire ses propres tablatures, donc je vous en ai parlé, c'est le fait de prendre n'importe quelle partition, même des partitions qui n'ont pas été écrites pour l'harmonica, et d'être capable de faire vos propres tablatures. Donc ça c'est 25 et 26 janvier 2020. Là, je me suis planté dans la date. Euh, ce n'est pas février 2019 forcément, hein, on ne va pas revenir dans le passé, mais c'est février 2020 bien évidemment. Comprendre la musique tonale, donc en fait la musique tonale, c'est que la, 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 la musique tonale, on compose 95% des, des, des morceaux qui existent. Et le fait de comprendre la musique tonale, bah, ça vous permet de comprendre justement comment euh, les morceaux sont écrits, euh, de comprendre les, le lien entre les accords et, euh, et les mélodies. Et ça vous permet de faire quoi bah, Ça vous permet d'improviser, ça vous permet d'interpréter vos, vos propres morceaux et de comprendre ce que vous jouez. Donc ça, c'est 22 et 23 février, donc 2020 évidemment. Composer et improviser en blues, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est 14 et 15 mars 2020. Donc le premier jour, même si vous n'avez jamais fait de composition de votre vie, il faut simplement que vous sachiez quand même, connaissiez vos notes sur, sur votre instrument. Et donc le premier jour, eh bien, je vous apprends à composer et vous composez votre, votre blues ensemble. Euh, on fait tout ça ensemble, mais je vous guide, mais c'est vous-même qui composez votre propre morceau de blues. Le soir, moi, une fois que vous êtes parti, vous allez à l'hôtel par exemple, il y a un hôtel qui est juste à côté de chez moi. Euh, vous allez à l'hôtel, et bien moi, pendant euh, le soir, ce, qu ce que je fais, et bien, je joue le, le morceau, j'apprends à jouer le morceau que vous avez composé, je vous fais un enregistrement et le lendemain matin, vous écoutez l'enregistrement et euh, je vous apprends à improviser sur le, votre propre morceau. Donc et là, évidemment, quand vous repartez, ben vous repartez aussi avec un fascicule, mais vous ne vous dites pas, ok, j'ai composé un morceau, maintenant, si je veux en composer un autre, il faut que je me reprenne à un week-end d'immersion musicale. Ben non, vous aurez toute la méthode pour faire autant de morceaux de blues que vous voudrez. Ensuite, alors, ça, c'est un, un stage, enfin, un week-end d'immersion musicale qui est complémentaire à composer et improviser en blues, qui s'appelle Enrichir le blues. Donc, ça, c'est le. Alors, j'ai mis la même date, désolé. <laughs> bon. Je me suis un peu planté, c'est au mois d'avril cette fois-ci. Donc en fait, enrichir le blues, c'est quoi Eh bien c'est, vous savez, improviser en blues, comment vous faites pour euh, dépasser euh, les, les... pour sortir un peu des sentiers battus, euh, dépasser les réflexes que vous avez en blues, eh bien il y a une méthode que j'ai euh, inventée et qui permet effectivement de... Euh, d'enrichir votre, votre jeu de blues et de, de jouer des blues plus jazz ou plus rock ou plus chicago blues des choses comme ça et donc c'est grâce à ce week-end de musicale qu'à la fin vous êtes capable de, de, de sortir des solos qui sortent un peu des sentiers battus j'ai rien contre la tradition mais c'est quand même pas mal de, de pouvoir personnaliser ses, ses propres solos et enfin donc ce groupe là enfin ce week-end là qui est donc le 2 et 3 mai 2020 Apprendre à jouer en groupe parce que bah, quand on le, la musique a été inventée non pas pour jouer tout seul mais pour jouer avec les autres et donc le fait de pouvoir jouer en groupe bah, si, euh, moi j'ai aussi des parce que je donne aussi des cours d'autres de, instruments des élèves pianistes ou des fois il y a même des euh, d'autres musiciens qui peuvent, qui peuvent s'intégrer à ça donc aussi bien des guitaristes des saxophonistes une fois il y a une clarinettiste qui est venue euh, voilà, guitariste électrique ou acoustique. Et donc, on apprend à jouer tous ensemble en groupe. Donc, qu'est-ce que c'est que jouer en groupe euh, Qui dirige quoi Il n'y a pas de chef d'orchestre, puisqu'on fait de la musique moderne, des musiques actuelles. Qui prend la direction du groupe euh, Comment on communique avec les, les autres instruments Qui démarre et à quel moment Comment on fait À quel moment on doit s'arrêter Comment on se regarde les uns les autres il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses à, à apprendre. Et on fait ça sur un week-end. Évidemment, à la fin, bah, pareil, vous repartez avec, euh, avec votre fascicule et vous avez vécu une, une expérience de jeu en groupe et vous êtes capable, en fait, de euh, bah, de, de former un, votre propre groupe ou tout simplement de, parfois, euh, comme je le fais moi-même, on rencontre quelqu'un dans la nature, on rencontre, euh, bah, par exemple, Jacques, euh, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais qui s'était inscrit, euh, qui jouait de la guitare et que j'ai rencontré. Moi, j'avais mon les sous le bras, donc on peut faire des choses ensemble ou je vais à un pique-nique et. Euh, et avant de rejoindre mes amis, oh je vois quelqu'un, un guitariste qui joue euh, du blues, qu'est-ce que je fais ben, Je sors mon harmonica et je joue avec lui. On n'a pas formé en groupe, on n'a pas répété, mais je suis capable de jouer avec lui parce que j'ai appris à jouer en groupe. Donc c'est ça que je vous enseigne dans, euh, dans ce week-end d'immersion musicale. Et après je réponds à vos questions. Et il euh, y a encore un autre stage, alors là, qui est un peu au-delà du, du, du stage d'harmonica, euh, mais qui peut aussi vous apporter beaucoup de choses si vous voulez apprendre à composer. C'est euh, le, le stage de création de chansons. Alors cette fois-ci, ce n'est pas sur un week-end, c'est sur six jours. Donc l'objectif du stage, c'est que de création de chansons, c'est qu'à la fin du stage, vous serez capable d'écrire de, de, des paroles de chansons, de les mettre en musique. Okay Ou de prendre une musique existante et mettre des paroles dessus. Donc il y a déjà Guy qui est là ce soir, euh, qui, a, qui a effectivement déjà participé à, à ce stage sur une semaine. Et euh, Guy a on a écrit ensemble, enfin c'est bon, guidé quoi, mais euh, déjà réussi à écrire des, des textes. Euh, et faire des musiques à la manière de Brassens, ou de, euh, ou de, de Serge Gainsbourg, ou de euh, Souchon, vous le dis. Voilà, donc c'est ça le, le principe. Le but, ce n'est pas de sortir des chansons comme eux, mais c'est de comprendre comment, comment ils font, et de pouvoir écrire et composer comme eux. Donc même si vous ne voulez pas forcément faire des, des chansons toute votre vie... Euh, ben en fait, le, le stage de création de chansons, ça permet d'avoir un support, le texte, et de savoir comment on demande musique. Et là, vous avez tout un cours de composition, mais c'est un cours avec euh, des choses pratiques. Hein. Ce n'est pas de la théorie, et puis après, un jour, on fera de la pratique. Non. C'est de la pratique, de la théorie, de la pratique tout le temps, ce qui fait que bah, vous pratiquez tout le temps, et on crée des choses ensemble. Okay et donc, à la fin, bah, vous avez vos propres euh, chansons. Et donc là, il euh, y a déjà eu un stage qui a été donné. Y a un, le, le, le prochain, c'est en novembre 2019, donc du 18 au 23 novembre. Donc là c'est pas 12 heures de stage, c'est 30 heures de stage. Donc c'est sur 6 jours, il y a 5 heures par jour. Donc c'est 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et c'est en ligne. Hein, on peut le faire, on peut le faire éventuellement chez moi si vous voulez, mais là on l'a fait en ligne parce que ça ne nécessite pas forcément euh, bah, de beaucoup de matériel. Euh, Je n'ai pas besoin de vous, vous faire danser ou quoi que ce soit, ou de vous faire taper dans les mains ou ce genre de choses, ou de vous, faire, de vous voir vous déplacer dans une pièce. Donc ça, ça peut être fait en ligne. Okay Donc, ce qui est pratique parce que bah, vous suivez votre sage complet de chez vous ou de partout ailleurs, hein, si vous avez euh, euh, une connexion Internet. Ok Voilà, voilà. Euh, alors, maintenant ça va être à vous de parler un peu. Voilà, je réponds à toutes vos questions. Je suis là pour vous aider. Donc je reprends, je regarde s'il y a des nouvelles questions dans la fenêtre de conversation. Et si vous avez des, des questions à me poser en direct, je peux vous interroger et ouvrir votre micro. Euh... Voilà. Alors, nous pose la question, est-ce que les week-ends d'immersion musicale sont aussi en ligne Alors ça dépend. Non, pour le moment ils ne sont pas en ligne. On pourra en faire éventuellement. Il y a forcément des, des week-ends d'immersion musicale. Euh, qui, euh, qui ne peuvent pas être en ligne. Hein. Donc, euh, euh, celui qui s'appelle intégrer le rythme dans son corps, c'est impossible de le faire en ligne. Euh, ce serait vraiment difficile, ce ne serait pas souhaitable. Écrire ses propres tablatures, euh, ça me paraît difficile aussi parce que bah, je suis obligé de. En fait, vous faites beaucoup d'exercices et moi je vous corrige, donc euh, en ligne ce serait un peu difficile. Comprendre la musique tonale, ça on peut le faire en ligne. Composer, improviser en blues, non, parce que là j'ai aussi besoin d'intervenir sur euh, ce que vous écrivez. Enrichir le blues, éventuellement, on peut, on peut le faire en ligne, puis apprendre à jouer en groupe, euh, ça, on peut pas le faire en ligne. Donc, les, les, les week-ends d'immersion musicale qu'on peut éventuellement faire en ligne, ce serait, euh, ce serait comprendre la musique tonale et enrichir le blues. Voilà, il n'y a que ces deux-là. Sinon, les autres, c'est à domicile, ou alors soit chez vous en petit groupe, soit chez moi pour l'instant. Pour et ça fait des années que j'anime ces stages. Tiens, on, on découvre le visage d'Oscar. Sympa de te voir en direct. <laughs> Salut, Oscar. Donc, euh, alors, est-ce que vous avez d'autres questions Si vous voulez intervenir en direct, je n'oublie pas que j'ai quelque chose pour vous, un petit, même un gros cadeau. Allez, <laughs> Jean José qui se mouille pas. Allez, Carmen, dit. -il. Voilà, ça, c'est l'ambiance des agora. Très bien. Allez, tiens. Alors, oui, oui, il y a quelqu'un là, là. La dame là, la dame là. Allez, vas-y. Je te pousse en avant. Allez, qui veut intervenir Alors, Michel, si tu veux intervenir, tu veux intervenir, oui. Michel Ah, allez, on t'écoute. Oui, super. Oui, je... Alors, c'est Michel, je, je parle. Bonjour à tout le monde. J'ai reçu, donc j'ai pris un cours sur l'improvisation euh, pour le blues, pour improviser. C'est très théorique. Moi, j'ai trouvé trop, j'ai eu du mal à, à le mettre en pratique. Il y avait vraiment des cours. Euh, euh, donc, et j'ai une question plus précise. Après avoir lu un livre de Sébastien Charrier, lui dit qu'il faut bien faire de la théorie, savoir comprendre les degrés, savoir où il se trouve sur l'harmonica, etc., avant de bien savoir improviser, etc. Moi, je n'ai jamais fait de solfège, beaucoup d'harmonicistes non plus. Il y en a qui disent qui jouent d'oreille, sans théorie, qui jouent très bien, j'en connais, et d'autres qui disent il faut avoir fait de la théorie. Et je pense que c'est ton cas d'air parce que le cours, je l'ai trouvé très théorique. Très bien, bah, je suis bien. Qu'est-ce qu'il faut faire de la bussolège et apprendre, comme dit Sébastien Charrier, savoir où se les premiers, les deuxièmes, les troisièmes degrés pour pouvoir bien s'en sortir Moi, là, là, je ne sais plus quoi penser. Et le cours que j'ai eu, ben, m'a pas trop aidé. D'accord. Voilà. Ben, je t'en remercie d'en de, parler, c'est très important. Tu vois, ce genre de questions, tu aurais, aurais pu m'en parler directement. Et on aurait pu parce qu'en fait, alors ce que je ce n'ai que pas dit, c'est intéressant d'avoir ton témoignage en direct, c'est qu'en fait, euh, mm -hmm. les cours ne sont pas fixes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes abonné vous avez eu de formation, si jamais il y a un complément qui manque, c'est arrivé d'ailleurs pour le, le clan des bluesmen, il y a un élève qui m'a dit, euh, je me rappelle, c'était euh, André, je crois, euh, non, Alain, pardon, Alain. Qui m'a dit, bah, écoute, euh, je n'ai pas bien compris le cours, est-ce que peux tu peux nous donner un complément C'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, il y a un cours complémentaire. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vraiment il y a un truc qui vous manque, moi, je peux rajouter des cours dans la formation. Et je ne vais pas vous faire payer en plus. Hein, une fois... bah, évidemment, parce que si je fais un cours, vous ne comprenez pas tout, bah, la logique, c'est que je continue de vous expliquer. Je vais pas dire, ah, il y a une personne une fois, une fois, à qui j'ai posé une question. Et il me dit euh, tu veux la réponse ok tu donnes 60 euros non oh, mais attends je te pose une simple question ah non moi c'est tu me prends 60 je prends 60 euros sinon je ne réponds pas ah, bah non euh, moi si tu si tu me poses une question je te réponds alors après pour euh, répondre à, la, à la, la recommandation de Sébastien Charlier alors je précise Sébastien Charlier c'est un harmoniciste euh, de jazz essentiellement il faut aussi de la fusion et c'est un excellent ami hein, parce que je le connais depuis très très longtemps euh, j'ai commencé à prendre des cours avec lui quand j'étais encore élève chez Greg Zapp. De temps en temps, il remplaçait Greg Zapp pendant les cours. Et euh, j'ai pris quelques cours particuliers avec lui. Et c'est lui qui m'a appris à faire mon tout premier overblow. Et bon, bah, c'est devenu un ami. Je l'ai croisé récemment à, à la guerre Saint-Lazare. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, ça me faisait plaisir à, à voir, euh, de le voir. Alors, bah, Sébastien Charlie, je ne vais pas critiquer ce qu'il fait, hein, chacun a sa propre pédagogie, il a sa propre démarche. Lui, effectivement, il passe par beaucoup, beaucoup de théories avant de faire de la pratique. Moi, je ne considère pas que ce soit la meilleure méthode, en tout cas, ce n'est pas ma démarche. Au contraire, je trouve qu'il faut beaucoup pratiquer avant de faire de la théorie. Ça peut paraître euh, euh, contre-intuitif, mais ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup en France, c'est-à-dire que... Euh, on, on théorise d'abord, et ensuite on enseigne. Mais la musique, ça n'a pas du tout été créé comme ça. On a d'abord essayé plein de choses, et après, on a créé des théories pour pouvoir aller plus vite. Pourquoi j'ai créé une formation en ligne J'aurais très bien pu vous dire, bah, débrouillez-vous d'oreilles, et puis je vous donne des explications de temps en temps. Bah, ça vous fait gagner du temps. Je me rappelle avoir vu une, une, une formation euh, par un... Moi, j'ai pris 21 profs d'harmonica, donc vous voyez, euh, J'ai un sacré bagage parce que j ai, j ai, ça m'a permis d'avoir plus, euh, des compléments à, à ce que je voulais savoir. Et puis des, aussi, au niveau pédagogique, c'était important pour moi. Donc, c'est bien des Français que des, Ang des Américains que des Allemands. Enfin, un Allemand, plutôt. Et donc, en fait, euh, euh, bah, une fois, quelqu'un m'a dit, bah, écoute, si, c'est une personne qui posait la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire de la théorie Il dit, bah, écoute, si tu ne fais pas de la théorie du tout, tu peux faire que de l'oreille. Et simplement, si tu fais de la théorie, tu gagnes 50 ans, quoi. Donc, euh, c'est ça l'idée, c'est de faire un peu de théorie pour compléter, parce que tout simplement pour être guidé. Mais la théorie, ce n'est pas juste histoire de, la, de faire de la théorie, c'est pour mettre en pratique euh, juste après. Donc, euh, euh, moi, je ne suis pas d'accord de, de faire beaucoup de théorie, de comprendre où sont les degrés, etc. avant de commencer. Non, on peut commencer sans. Alors, bien sûr, il y a un, un, quelques petites indications pour ne pas faire n'importe quoi, pour te guider, mais on n'est pas obligé de faire de la théorie avant de commencer. Donc, si les premiers cours te semblent un peu trop difficiles ou que ça va un peu trop vite, ou qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, eh ben, tu as l'adresse email maintenant, tu me poses la question. Comme ça, euh, si vraiment il y a besoin d'un complément de cours, je te fais le complément de cours. Okay? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Michel Je, je rouvre ton micro. Euh, non, non, non. J'enverrai je, je, une question par, par mail par rapport à ce cours. D'accord, super. D'accord, bah avec plaisir. Est-ce que d'autres ont, ont des questions euh, Antoine dit comment ça se passe pour la partie Bluesman. Alors, très bonne question. Donc, effectivement, le clan des ce c'est pas la même euh, démarche que dans la formation complète. Donc, vous l'avez compris, il faut d'abord au moins jouer les notes naturelles, d'accord C'est-à-dire que si, c'est euh, si pour vous, si je, si par exemple jouer ça, euh, euh. Si pour vous ça c'est difficile et que vous en êtes encore. Euh. Bah, c'est que là, ce n'est pas encore le moment de, de prendre les cours de blues. Donc, ça veut dire qu'il faut encore travailler au moins jusqu'au module 6. Bon. Euh, après, une fois que vous avez euh, atteint le module 6, bah, à partir du module 7 vous pouvez commencer les altérations. Mais vous n'êtes pas obligé d'altérer pour faire les premiers cours de blues. Vous pouvez être déjà... Donc, il y a certains qui le font. Certains me disent, attends, moi, je vais aller jusqu'au module 12. Comme ça, j'aurais travaillé toutes les altérations. Aspiré, en tout cas. C'est largement suffisant pour les, les cours de blues pour Les morceaux de blues, et une fois que j'ai fait ça, après j'attaque le clan des bluesmen. Ou alors il y en a quelques-uns, euh, Alain par exemple, enfin, un autre Alain qui m'a dit mais Non, mais moi j'ai du temps, euh, j'ai bien une heure par jour pour faire de, de la musique, il n'y a aucun problème, donc je vais faire les deux en même temps. Donc en fait, il a commencé le module 7 de la formation complète pour travailler les premières altérations, et pendant ce temps-là, il a travaillé le premier module de du clan des bluesmen. Et en fait, quand il est arrivé au septième module du clan des bluesmen, il avait besoin des altérations, et bien ça tombait bien puisqu'il avait avancé dans sa formation complète, donc il s'avait altéré. Donc, euh, alors le principe, c'est que dans les 4 premiers mois, les 4 premiers modules, il y a un module par mois. En fait, les 4 premiers modules, c'est ce que j'appelle les rudiments du blues. Donc en fait, je vous apprends ce que c'est qu'une grille de blues, euh, donc les grilles d'accords, quels sont les accords, quelles notes on peut jouer dessus, puis petit à petit, vous enrichissez. Euh, au début, vous jouez qu'une seule note par, euh, par mesure, puis après, vous jouez plusieurs notes, puis après, on joue des gammes complètes, et donc on apprend à improviser, parce que... Le principe de, du blues, c'est pas simplement de jouer des morceaux comme ils sont écrits, comme en classique, voilà, on joue ce qui est écrit et on n'en déborde pas. Non, le blues, c'est très, très oral, en fait. Donc, y a, vous pouvez prendre le même morceau de blues chanté par euh, 350 artistes différents, vous aurez 350 façons différentes de, de, de chanter le blues. Et, et même si des fois, vous ne prenez pas de morceaux, moi, des fois, j'entends des blues, il n'y a pas vraiment de... c'est juste une improvisation, ou des fois je vais sur scène avec mon harmonica euh, fétiche et euh, j'improvise alors qu'il n'y a même pas de thème. quoi Il n'y a même pas la mélodie, boum, j'improvise. Donc c'est ça que c'est vraiment important, c'est de savoir improviser. Donc une fois que, que vous savez, même si vous n'avez jamais improvisé de votre vie, normalement vous êtes capable de le faire. Donc, et à partir du cinquième module, on commence à taquer les morceaux. Donc là, vous avez un morceau par module. Donc c'est un cours complet en cette vidéo avec une méthode qui s'appelle la méthode dérive. L'idée de la méthode dérive, c'est que. Bah, on, on ne suit pas les, les sentiers battus, hein, on est avec notre bateau, et puis on dit pas bah, « voilà, il faut suivre ce chemin-là parce que tout le monde suit ce chemin-là, moi j'ai envie de dériver un petit peu et d'aller voir un peu ailleurs », c'est ce qu'on fait en interprétation ou en improvisation. Et dans ce cas-là, le bah, dérive, en fait, Donc c'est D comme déchiffrage, donc il y a un cours en vidéo où je vous présente la partition, la tablature, et en direct, comme ça, je vous montre comment on déchiffre la partition, E comme extraction, c'est-à-dire on repère les passages difficiles de la partition, on les extrait pour les travailler séparément, ce n'est pas la peine de travailler les passages faciles, R comme réintégration, on réintègre les, les passages qui étaient anciennement difficiles, qui sont devenus faciles, on les réintègre dans le morceau pour les coller aux autres. I comme interprétation rythmique, une, une fois qu'on sait bien jouer les mélodies, on interprète rythmiquement le morceau pour que ça ressemble vraiment à, à ce qu'on voulait jouer. V comme variation mélodique, là on commence à varier les mélodies, à faire si on fait deux trois fois le, le même morceau, bah à chaque fois on fait des versions un petit peu différentes. Donc je vous montre tout ça en vidéo. Vous avez même des, des ressources téléchargeables. Après le, la sixième étape c'est E comme effet, donc les effets de l'harmonica qu'on peut jouer dans le morceau parce qu'évidemment un morceau de blues sans effet, c'est un peu moins bien. Et 7, c'est S comme solo. Solo ça veut dire prendre un, un solo, ça veut dire prendre une improvisation. Et en fait, avant, j'avais une, une formation qui s'appelait la, la Ligue des Skippers, où euh, c'était que des cours d'improvisation. Donc ça marchait bien, et les anciens s'en souviennent sûrement. Mais le problème, c'est que ce n'était pas forcément adapté au morceau. Donc j'ai supprimé cette formation, elle n'existe plus. Maintenant, ce que je fais à la place, c'est que vous avez, euh, vous avez en fait des, des, des cours d'improvisation adaptés au morceau. Ce qui fait que je vous, a, je vous explique, je vous montre les techniques qui marchent bien, les techniques d'improvisation qui marchent bien pour le morceau. D'accord c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, de mois en mois, donc vous pouvez aller jusqu'au 24e module si vous voulez tout faire. Donc, les quatre les rudiments du blues, quatre modules de rudiments du blues et les 20 morceaux, mais vous pouvez vous arrêter avant, quoi, évidemment, En fait, alors on, on travaille des morceaux dans tous les styles. Enfin, c'est du blues, mais il y a du Chicago blues, il y a du jazz blues, il euh, y a du blues funk, il y a du boogie-woogie, il y a toute forme de blues, quoi. Voilà comment ça se passe. Euh, euh, alors, André dit... Alors, c'est un message privé, mais je pense qu'il voulait... le... Ah, pardon, il y a aussi... Alors, Antoine qui disait, au fait, je n'ai pas l'enregistrement de troisième cours pour l'accompagnement. Ben ça, il faudra que tu me reposes la question par, euh, par email. Ce sera beaucoup plus simple. Euh, André dit, pour faire les altérations, il faut que l'armo soit bien réglé. Sinon, c'est difficile. Les armos sorties sortis de bas ne sont pas réglés. Eh oui, c'est le problème. Donc c'est pour ça que je vente beaucoup euh, ma, ma bête de course. Voilà, donc la bête de course, c'est à la base, c'est un harmonica un amende HA20. Je ne sais pas si les, les anciens, vous avez déjà vos... Votre bête de course près de vous. <laughs> donc, vous n'avez pas pris l'harmonica avec vous. Ah, voilà, super, super. Vous voyez Voilà. Donc, s'il y a autant d'élèves de, de, qui prennent la bête de course, c'est qu'il y a une raison. Super, Oscar, bravo. Euh, c'est qu'en fait, euh, merci Guy, euh, Christian, bravo, Carmen, super. Donc, euh, pourquoi euh, la bête de course bah Parce qu'en fait, effectivement, comme tu le précises, André, euh, les, 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 harmonis, les harmonicas. Bravo, Antoine. Ah, lui, ah oui, regarde, tu as un modèle Olive. Montre, le, montre les capots, euh, Antoine. Voilà. Tac. Lui, il a pris un modèle. Voilà. Euh, si tu peux le montrer comme, comme moi. Bon, voilà, regardez comme il est beau celui-ci. Tac. Il est un petit peu, tout petit peu plus cher que le, que le noir, mais voilà, il est en, en, en vert, c'est très joli. Donc, euh, il fonctionne de la même façon que le, les bêtes de course noires, évidemment. Alors, euh, merci Jacques. Et donc, euh, donc en fait, le, le Larmica, je le règle. Donc, en fait, ce que, régler, ça veut dire quoi C'est qu'en fait, je, je le démonte et je règle toutes les hanches. Je les rapproche de la plaque sur laquelle elles sont rivées, pas trop pour ne pas bloquer la note, et pas trop loin non plus. Donc, c'est un réglage assez fin. Euh, avant de réussir à faire le, mon premier réglage correctement, j'ai cassé 4 harmonicas. <laughs> ah oui, <j> <laughs> il y a eu quelques ratés. Euh, il y en a même eu un cinquième que j'ai raté un petit peu plus tard, mais bon, enfin voilà, en, en tout j'en ai cassé 5. Mais maintenant, je sais faire quoi. Donc, je les achète, donc ils viennent directement, pas directement du Japon, ils passent par un fournisseur sur Paris qui me, me les envoie. Là, je viens de recevoir un autre colis je les prends par 20 à chaque fois, et donc je les règle, et je colle même une... Alors, c'est pas du sparadrap, mais c'est une espèce de petit collant que je règle sur les, sur les anges pour les alourdir un petit peu, ce qui fait que ça améliore le son. Et grâce à ça, eh bien effectivement, bah, vous gagnez énormément de temps dans votre formation, puisque les altérations sortent plus facilement, il bah, faut les travailler quand même, c'est évident, mais ça sort plus facilement, et les overblows peuvent sortir, parce que s'il n'y a pas de réglage, il n'y a pas d'overblow possible. Euh... Euh... Ok, ensuite... Euh, Francis dit C'est vrai que je ne parviens pas à réaliser mes altérations. Je me demande si je ne vais pas changer de type d'armo. Euh, donc, Francis, oui, tu m'as envoyé. Alors, c'est une possibilité. Francis m'a envoyé son harmonica euh, Special 20, c'est ça, c'est toi. Hein, et, euh, et en fait, je lui ai réglé pour lui. Évidemment, le, le, le mieux, c'est quand même de prendre la bête de course. On a quand même moins de difficultés. Euh, euh, alors, ensuite, euh, alors, il s'appelle Jourdain. Je ne sais pas si c'est son prénom ou son nom de famille. Euh, « Pourquoi fournis-tu un harmonica en si bémol alors que les partitions sont écrites en do On apprend à entendre une note différente que celle qui est écrite. Cela être handicapant, surtout pour les débutants. » Alors, en fait, ça, j'explique je, je, ça dans le, le livret qu'est l'harmonica choisir et le, le cours en vidéo. En fait, l'idée de l'harmonica en si bémol, c'est qu'en fait, c'est plus simple. Quand, au début, ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Quand vous jouez les notes naturelles, que vous jouez sur un do ou sur un si bémol, ce n'est pas tellement gênant. Quand vous attaquez les altérations, c'est plus facile à le faire sur un si bémol que sur un do, mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est qu'il euh, y a beaucoup, 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 énormément de, de morceaux de jazz et de blues qui sont écrits pour des instruments en si bémol. Pourquoi, à votre avis Eh bien, parce que euh, les autres instruments, il y a très peu de choses qui sont écrites pour l'harmonica, mais euh, la plupart des instruments qui jouent du blues et du jazz, c'est euh, des saxes, des trompettes, des clarinettes, etc. Eh bien, tous ces instruments-là sont en si bémol. Donc, pour adapter, eh j'ai pris l'harmonica en si bémol aussi pour ça. Mais c'est surtout parce que c'est plus facile de commencer sur le si bémol et en plus, c'est y un plus joli son que le do. Et si tu trouves une partition en do et que tu la joues sur un harmonica en si bémol, je, te, je vous remontrerai le, le lien. J'ai fait un, une vidéo en, en accessible sur YouTube pour expliquer ça, mais je peux vous le expliquer en deux minutes. Ça ne fait aucune différence pour vous parce que vous voyez par exemple un, un morceau une tablature. On vous dit par exemple, je prends un exemple simple, il faut jouer Do, Ré, Ré, Do. Donc 4 soufflés, 4 aspirés, 5 soufflés, 4 aspirés, 4 soufflés. Si vous prenez un harmonica en Do, ça fait ceci. Bon, très bien. Et puis si on vous dites, bah non, j'ai pas un harmonica en Do, mais je prends un harmonica en Si bémol, eh bien vous refaites la même chose. Et vous avez exactement la même mélodie, mais un petit peu plus haut. Là, évidemment, si vous jouez avec d'autres instruments, bah là il faut s'entendre sur la tonalité. Moi-même, quand je joue du blues, je joue pas que sur l'harmonica en si bémol, je, suis aussi, je joue aussi sur l'harmonica en do, en ré, en fa grave, en sol et en la. Okay Mais c'est pas gênant, une fois que j'ai le réflexe sur l'harmonica en si bémol, après bah, il suffit simplement que j'adapte. Alors je sais que ça peut être un peu perturbant au début, si tu as déjà joué euh, longtemps sur un harmonica en do et que tu, euh, tu veux jouer sur un harmonica en si bémol, eh bien. Ben en fait, c'est comme euh, conduire une nouvelle voiture. Tu dis, ah, bon, est à peu près est... tout est à peu près au même endroit, mais oh, la pédale de frein est un peu dure ou un peu molle, ou oh là, le volant n'est pas tout à fait comme je voulais. Enfin voilà, on met un, on a un petit temps de réadaptation, mais on n'est pas obligé de repasser le permis. Ok. Alors, il va être 22h15, donc je sais que Christian doit aller faire son jogging, donc ou son sport. Donc, je vous partage tout de suite le lien pour euh, pour aller voir le, le cours offert. Et, euh, et après, je reprends vos questions, je continue. Alors. Je vais vous faire deviner quel est le, le morceau que j'ai choisi pour vous. Est-ce que c'est au clair de la lune Non, ce n'est pas ce morceau-là. Hop, c'est pas ça que je voulais vous partager. À votre avis, quel morceau ai-je choisi pour vous Alors, allez, dites-moi dans la fenêtre de conversation si si vous savez. Bon, c'est peut-être un peu difficile à c'est peut-être un peu difficile à trouver. Alors, je vous donne un indice, même deux indices. Voilà. Alors. Voici les deux indices. Dites-moi dans la fenêtre de conversation si vous voyez de quel morceau il s'agit. Et après je réponds à vos autres questions bien évidemment, hein, je, je n'oublie pas. Alors à votre avis, voyant les deux indices que vous voyez apparaître à l'écran, quel est le nom du morceau Donc c'est un morceau que je vous apprends à jouer, ah, donc vous allez voir la partition, euh, la tablature et le cours en vidéo. Ah, John Lee, bravo John Lee, John Lee a trouvé, effectivement le... Alors, Jean-José dit la cinquième de Beethoven. Alors, ça répète le cas. Effectivement, le buste qu'on voit ici, hein, le, le monsieur pas content là, <laughs> c'est Ludwig van Beethoven. Alors, c'est pas la cinquième symphonie. Hein. Toute la cinquième symphonie, ça ferait beaucoup. Euh, bon, euh, 240 heures de, de cours <laughs> pour jouer toute la symphonie. Non, c'est... Regardez les deux, les deux jeunes femmes là qui sont très joyeuses dans leur chant de, de riz. Effectivement, bravo Johnny, c'est l'hymne à la joie de Beethoven. Alors, je vous partage le lien tout de suite. Donc, donc là, c'est uniquement pour ceux qui ont participé à cette séance, pour vous récompenser de votre motivation. Euh, donc, alors, je vais retrouver le lien dans quelques secondes. Voilà, alors euh, voilà. Donc, il est ici. Voilà, voilà. Ok, alors, c'est parti. Donc, euh, voilà, je vous le mets dans la fenêtre de conversation. Tac. Hop, hop, là, pardon, je l'ai mis en privé à André seulement. Là, je le mets à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, ça commence par Vimeo.com. Vous cliquez là-dessus et vous arrivez directement sur un cours en vidéo. Donc, c'est une vidéo qui fait euh, presque 22 minutes. Hein, vous voyez, donc, ce pas un petit cours. Et donc, dans le cours, en fait, je, je montre comment jouer ce morceau pour ceux qui débutent, qui n'ont pas encore fait d'harmonica ou enfin, qui commencent les cours. Par exemple, ceux qui sont en, sont en module 1, je sais qu'il y en a ce soir. Euh, pour ceux qui ont déjà un petit peu avancé dans les notes naturelles. Et puis pour ceux qui en sont déjà aux altérations, parce qu'il y a deux manières de jouer ce morceau, donc vous avez aussi la démonstration, bien évidemment, donc avec que les notes naturelles dans l'aigu, dans ou dans le grave, euh, médium, euh, pour ceux qui jouent les altérations, avec des effets très sympas. Ok Donc cliquez là-dessus directement, ou vous recopiez éventuellement le lien. Non, sinon, vous cliquez dessus. Et alors si jamais euh, vous n'avez pas réussi à cliquer dessus ce soir, et que demain vous me dites, « Oh, ben là, j'ai pas réussi à y aller bah », pas de problème, je peux vous renvoyer le le euh, l'email le, demain, il hein. ne faut pas exagérer non plus, mais uniquement à ceux qui ont participé à cette réunion de rentrée. C'est normal, je récompense. C'est là, c'est un, c'est comment une, une habitude dans le, dans l'école internationale d'harmonica, c'est toujours de récompenser les plus motivés. Et ceux qui participent régulièrement aux agora le savent, puisque dans les agora, quand on participe aux agora, on gagne des points de motivation. Et à quoi ça sert les points de motivation Eh bien, ça sert à avoir des réductions sur les autres formations. Donc, plus vous êtes actif, euh, plus vous êtes motivé, plus vous êtes, êtes récompensé. Oups, pardon. Hop là, tout va bien. <laughs> Chute de bête de course. Alors, je reprends vos questions. Alors, Carmen dit, Bertrand, combien de bandes tu mets pour la bête de course Alors, ça dépend, euh, ça dépend de l'état de, de l'harmonica. Parfois, il y a des harmonicas où il n'y a pas. En fait, pourquoi je mets des bandes C'est parce que quand on altère, donc en fait, évidemment, je, je règle l'harmonica, j'essaye, après, je tout avant de vous le renvoyer, c'est évident. Et donc, en fait, quand, je, quand on joue les altérations, bah, des fois, les hanches ont tendance à siffler, ce qui est assez désagréable. C'est un défaut de, de l'instrument. Il a plein de qualités, mais il a, il a, il a ce défaut qu'on trouve aussi chez les les oscar de chez Tombeau c'est que euh, les hanches ont tendance à siffler quand on altère trop. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets des bandes à ce moment-là sur les, les anges qui ont des problèmes. Alors, généralement, c'est 4, 5, 6. Il a une. Je mets au moins les, 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 les petits collants là-dessus, les bandes là-dessus, parce que c'est vraiment important. Et puis, bah, récemment, j'en ai fait euh, 5, je crois, où j'ai du mode des bandes partout. Donc, euh, ça dépend. J'essaye l'harmonica avant. S'il n'y a pas besoin, je ne mets pas. S'il y a besoin, je mets euh, effectivement euh, des bandes absolument partout. Euh, ok, je continue de prendre vos questions. Alion me pose une autre question. Je voudrais savoir, pour nous qui sommes outre-Atlantique, Comment régler la question des paiements sécurisés par virement bancaire pour la formule à 47 euros ben En fait, il euh, n'y a, y a aucun. Alors, parce que tu as un problème de virement. En fait, si tu, alors, le, quand tu es sur la. Sur la, sur la, comment la. Quand tu cliques sur le bouton, tu arrives sur un, sur un, sur un bon de commande. Tu peux soit euh, euh, payer par, euh, par, euh, par carte de crédit ou par PayPal, si tu as un compte PayPal. Après si, si tu penses que ça va être difficile pour toi de parce que as, je sais pas si as pas de carte de crédit ou si tu n'as pas de compte paypal tu peux aussi m'envoyer un chèque par la poste hein, euh, c'est aussi faisable ou alors euh, me demander de faire un, un virement sur un, sur un compte en ce moment là tu, tu me le demandes hein, donc tu me poses la question je te donne mon rib et comme ça tu peux euh, régler directement donc soit euh, carte bleue directement c'est le plus simple. Soit euh, le, le compte Paypal, soit le chèque, soit euh, le, le virement bancaire. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Il nous reste 10 minutes. Mais euh, voilà, donc euh, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Moi, j'en ai encore une à vous poser. Mais ce n'est pas parce que j'ai cette question à vous poser que euh, je ne peux pas prendre encore vos questions. Alors, un petit questionnaire. Ah oui, donc il y a apparemment, nous avons euh, Jean-Marc qui a une question. J'active ton micro, Jean-Marc, dis-nous. Bien, Bertrand, moi j'aime bien connaître les notes de l'harmonica d'un Fa, OK, d'un grave. Oui, fa grave, j'ai essayé de trouver ça sur Internet, mais je n'ai pas réussi. Ok, ben alors, ça, euh, c'est peut-être un peu complexe pour ceux qui n'ont pas. pour les nouveaux, euh, mais je, je... renvoie-moi un, un petit mail là-dessus sur la, la partie question okay. et je te, je te donnerai ça. Donc, en fait, pour ceux qui, qui n'auraient pas compris la question, F-L-O, enfin L-O-W, c'est fa grave en, en, en français, enfin en anglais, ça, ça, ça signifie fa grave en français. Et euh, voilà, si tu veux avoir les. les les notes, n'hésite pas à m'envoyer la question, je te le donnerai. Donc, c'est pas un, un instrument qu'on utilise dans la formation complète, mais vous voyez, comme euh, Jean-Marc, bah, si on, quand on sait jouer sur un harmonica, après, c'est pas difficile d'apprendre à jouer sur les autres. C'est juste pour les altérations où il y a des harmonicas. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi le si bémol, hein, c'est que euh, surtout pour ça, parce que plus vous allez dans l'aigu, plus c'est facile d'altérer. Chouette, super, vous prenez un harmonica en fa fin aigu, oh, c'est vachement facile d'altérer, mais alors pour avoir des notes justes, bonjour, parce que L'écart est tellement mince, les anges sont tellement petites que c'est très difficile d'être juste. Donc c'est faisable, hein, bien sûr, mais c'est très difficile. Par contre, si vous allez dans le grave, prenez un Mi bémol grave, par exemple. Wow, mi bémol grave, mais euh, c'est facile, c'est plus facile d'être juste. Alors pour le jeu des altérations, bonjour. Donc euh, le meilleur compromis, c'est l'harmonica le, le, en Si bémol. En fait, vous avez des harmonicas dans toutes les tonalités, et vous avez des harmonicas euh, plus ou moins graves euh, ou plus ou moins, moins aigus. Donc vous avez effectivement des harmonicas des très aigus. Alors, Juste un petit exemple comme ça, et après je vous pose la question que j'avais envie de vous poser. Pourquoi est-ce qu'on achète des harmonicas différents Parce que pour certains morceaux, pour jouer certaines notes, et, et ben, c'est pas mal d'avoir deux tonalités. Donc c'est pas pour les débutants, mais si vous commencez à bien savoir jouer, là par exemple, vous avez un... Alors ça c'est un, 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 un special 20 de Schonor que j'ai acheté il y a longtemps. C'est un G-High. Alors rien à voir avec les... Les, les, comment l'armée américaine, G high, c'est euh, G c'est-à-dire euh, sol aigu. Et donc, effectivement, ça, ça casse un peu les oreilles. <laughs> ah. Ah, ça, c'est la note la plus grave, donc, vous voyez, c'est très très aigu. Et j'avais acheté ce, ce, cet harmonica uniquement pour jouer un morceau de Jean-Jacques Milteau. Euh, qui s'appelle Jérôme Bird Plaque, Park, euh, Park, où en fait euh, c'était pour imiter les pépiments d'oiseaux. Oui. <laughs> Et puis alors dans les dans les beaucoup moins aigus, même dans les graves, le plus grave, alors un des plus graves que j'ai acheté, c'est le alors ça c'est un mi bémol grave. Alors pareil avant j'achetais que chez Special Tnt. Chez Honor, voilà, mi bémol grave. Et alors là, c'est pareil, j'avais acheté ça pour jouer un morceau de Jean-Luc Muto, je suis fan de jean avec mito un morceau qui s'appelle Chrono Blues. Et voilà, et donc ça fait des sons. Waouh! Et oui, et oui, Christian. Alors ce qui est génial avec un instrument pareil, c'est que là, évidemment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais quand on a joué une note, ça vibre encore dans les doigts. Enfin, c'est des sensations extraordinaires, quoi. Super de jouer sur. Donc de temps en temps je me fais plaisir avec, ce... avec cette harmonie ag... Ag grave. Et j'ai aussi un Armican en dos qui est grave également. Alors je vais vous montrer. C'est aussi un diatonique. Voilà, Celui-ci c'est aussi un Marine Band. Voilà. Donc. Alors celui-là est très grave aussi. Alors c'est pareil quand vous jouez là-dessus. Alors c'est pareil pourquoi je l'ai acheté. Pour jouer un morceau cette fois-ci de Greg lap euh, C'était pour Alice, je crois. Oui, pour Alice. Et. Euh... Bon, il est un peu vieux maintenant, mais voilà. Je suis en train de parler, ça continue de vibrer quoi, c'est extraordinaire. Hop, ça y est, la vibration s'arrête, donc c'est génial quoi, parce qu'on a, on a des vibrations dans les doigts. Euh... Super, super. Donc vous voyez des harmonicas dans toutes les tailles. Donc, il suffit de savoir jouer sur un, et puis après, bah, vous adaptez facilement sur les autres. C'est ça l'avantage. Voilà. Ok, je regarde. Bon, j'ai plein d'autres modèles d'harmonica. Euh, ah, j'ai même. Voilà, j'ai du mal à le trouver celui-là. J'ai aussi l'harmonica le plus petit du monde. <laughs> voilà, c'est chez Honor. Alors, celui-ci, il ne faut pas l'avaler. Hein. Voilà, voilà. Oh, qu'il est beau, qu'il est mignon, n'est-ce pas? Little Lady, on peut le porter autour du cou. Voilà, quatre ouvertures. Tac. Ah, euh, c'est même pas un piccolo. Euh, le piccolo, c'est un petit peu plus grand. C'est... Euh, alors, voilà. Donc, euh, là, si je joue comme ça, on pourrait, on pourrait croire que je sais pas d'harmonica. Et on dirait, ah ouais, bah, c'est un joueur, okay, c'est un bijou, mais bon, euh, pff, pourquoi d'acheter ça bah, On peut en jouer, en fait. Non. Alors, dans le bon sens, c'est possible. Tester les overblows dessus, <laughs> celui-là on peut pas la régler. Hein. Euh... J'en ai eu un une fois qui, euh... qui était bouché. Il y avait une ange qui était collée, mais comme je pouvais pas le démonter, je dis j'ai composé un morceau dessus que j'appelais Little Lady avec une contrainte, une note en moins. Voilà, et donc ça permet quand même de jouer. Euh... On peut faire huit notes déjà avec ça. Little Lady, Voilà. le nom de, de l'harmonica Little Lady. <laughs> euh... Merci Elisabeth. Bah oui, oui, toi. Et euh, avec une bonne embouchure. Tac, alors, voilà. Ok. Euh, alors, la question que je voulais vous poser avant que Christian euh, s'en aille euh, faire son sport. Mais après, je reprends vos autres questions. Bah, tout simplement. Euh, voilà. As-tu apprécié cette réunion d'informations et de réponses aux questions Soit vous répondez oui tout à fait ou au non alors. C'est important pour moi d'avoir votre ressenti. Et pendant cela, je continue de répondre aux autres questions. Euh, euh, alors Jourdain dit Le morceau de Chuck Berry, Johnny Bigood est-il en si bémol Apparemment, ça colle, mais je ne suis pas sûr. Peux-tu me le confirmer Voilà, <laughs> oh je ne connais pas ça euh, euh, par cœur, Johnny Biggood Bon, il faudra que je te redis ça. Mais euh, ouais, je ne le, les connais pas, euh, je n'ai pas la réponse comme ça par cœur, mais en fait, si après, si tu veux jouer un morceau et que euh, tu, tu, tu veux le jouer sur ton harmonica en si bémol, mais que ce n'est pas la bonne tonalité, bah, il suffit de, de transposer le morceau. Moi, je, des, euh, je peux aussi te faire ça, hein, c'est un service que, que je peux te que je peux proposer également, savoir prendre un morceau et euh, vous le transposer et vous refaire un accompagnement complet avec un groupe de musique dans n'importe quel style. J'ai des outils pour ça. Et des orchestres et donc euh, et donc vous pouvez aussi euh, vous amuser à jouer un morceau qui est, qui est pas forcément dans la même, même tonalité. C'est ce que je fais sur la chaîne YouTube quand vous voyez des, des vidéos des fois des reprises de morceaux d'harmonica. Ben, en fait euh, c'est pas forcément dans la tonalité d'origine. Ok. Ok donc vous êtes à des... ah, 70% de, des personnes ont voté. Euh, bah oui Oscar dit fais attention de pas l'avaler, oui parce que si tu avales l'harmonica euh, euh, Little Lady après oh bah c'est bien quand tu parles tu fais de la musique en même temps c'est pratique mais... bon arrête de chanter parle normalement mais je peux plus j'avais un harmonica. <laughs> bon, attendez il y a un petit problème de caméra là. hop la caméra fait le point bon c'est pas très grave alors euh... allez encore 15 secondes euh... christian dit très bon après-midi enfin pour nous c'est le soir merci Christian <laughs> Chez nous, il est 22h30, mais ce n'est pas grave. Euh, enfin, ce n'est pas, pas chez tout le monde, apparemment. Euh, je vais reprendre une lecture des réceptions. Oui, oh, d'accord, pas de problème. Euh, Jourdain, je ne vois pas les possibilités de vote. Bah, je suis désolé. Donc, euh, simplement, écris dans, euh, euh, dans la fenêtre de conversation si tu as apprécié cette réunion de, de rentrée ou pas. Voilà, donc je partage les... Les résultats, et eh bien je suis très heureux pour vous, car vous êtes 100% à avoir euh, apprécié. Wow. Euh, oui, c'était intéressant, dit Jourdain. Bah super, super. Ravi. Ok, très bien. Bon bah voilà, bah, il est l'heure. Il faut que j'aille manger un morceau parce que j'ai pas mangé de la journée. Ça commence à... mon, mon, mon ventre commence à crier famine. Donc ceux qui n'étaient pas à la réunion de rentrée verront aussi la rediffusion, mais n'auront pas accès au cadeau, c'est normal. Hein. Une promesse est une promesse. Euh, mais vous pourrez revoir ça en, intégr en intégralité. Euh, attention à l'hypoglycémie du jour d'un t'en fais pas. <laughs> bon, J'en suis pas là quand même. J'en suis pas là quand même. Merci. Euh, Francis dit merci Bertrand une autre fois. Bonne soirée à tous. Oui, merci Francis de ta participation. Euh, euh, Carmen dit merci beaucoup Bertrand c'était une super réunion ben je suis ravi Jean-José merci Bertrand bonne soirée à tous et eh bien bonsoir Jean-José Elisabeth merci pour ta bonne humeur et eh ben je te remercie bien euh, je, je suis content bonne soirée euh, quand je parle de passion, je suis toujours de bonne humeur euh, Oscar merci beaucoup à bientôt Guy bonsoir Guy île de la Réunion et oui, parce qu'il y a deux Guy euh, ce soir effectivement merci Bertrand, c'était intéressant. Guy, l'autre Guy, euh, bonsoir tout le monde. Carmen, bonne soirée à tous. John Lee, merci beaucoup et à de se retrouver à la prochaine Agora. Bah oui, avec plaisir, John Lee. Euh, c'est très bientôt. Jourdain, bon appétit. <laughs> merci beaucoup, mm. c'est gentil. Jacques, merci Bertrand et bonsoir. Bonsoir Jacques. À plus, 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 plus. Uh, André, à bientôt. Euh, Antoine, merci pour cette belle réunion et à bientôt. Bah, écoute, je te. Je t'en prie, à bientôt Antoine. Voilà, donc euh, rediffusion dans les 24-48 heures, hein, le temps de, de faire un petit montage et de vous renvoyer tout ça. Voilà, voilà. Bon, eh ben, très bien, bah, écoutez, euh, on va s'arrêter là. Donc, euh, bah, merci de votre participation, bravo à vous, euh, félicitations de d'aimer euh, l'harmonica. Jani nous dit, merci Bertrand, bonsoir. Michel, merci, dommage que les sons ont été mauvais, bah, ça par contre. Euh, si tu as des problèmes de connexion, je ne peux pas y faire grand-chose. De euh, toute façon, tu vas retrouver la rediffusion, Michel, avec un meilleur son, puisque je vais faire un montage justement pour que tu aies le meilleur son possible. Euh, Janine merci, Bertrand, et bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, euh, vraiment ravi de, de votre participation. Euh, de votre goût pour la musique et de votre motivation à jouer l'harmonica et donc je vous dis à très vite dans les agora et dans les cours la caméra va pas Oui, oui, je sais elle est un peu c'est un peu c'est un peu trouble mais bon c'est pas très très grave je pense qu'on a compris c'était moi ouais c'est moi <laughs> ok bon voilà du moment que ce que je vous raconte ne vous trouble pas <laughs> c'est le principal allez je vous laisse vous déconnecter tac allez bonsoir à tous à très bientôt, à très vite dans les formations, dans les agoras. Allez, bonsoir Guy, bonsoir Carmen, bonsoir Jacques, bonsoir Antoine, bonsoir Christian, bonsoir Aline, bonsoir Jean-Louis, bonsoir André, bonsoir Guy, bonsoir Elisabeth, bonsoir Michel, bonsoir Jordan, bonsoir Jenny, bonsoir Oscar. Ah, tu as le tien aussi, bravo Guy, super. Voilà, tu as la en dos, ouais. Oh, ouais, ils le font pas dans les zones de tonalité. Bah, tu, tu vas pouvoir euh, jouer pour Alice de, de Greg Zlab si ça t'intéresse, je t'apprendrai à jouer. voit un peu quels sons magnifiques. Et c'est quel nom C'est Honor. 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 Voilà, je mets le. Ah oui, c'est un 14 je trouve. Oui, 14. Ah d'accord, c'est pas indico. Un... Bon, là, il... ça rajoute un petit bien. peu de notes dans l'aigu, mais ce n'est pas... pas gênant, gênant. Voilà. Je, je faire... Allez, Christian, oh, faut que tu ailles faire ton sport. <laughs> oui, merci beaucoup. À bientôt, Carmen. Super. Allez, à bientôt, Guy, André, Jourdain, Jean-Louis, Johnny, Oscar, Michel. Ah oui, c'est drôlement trouble. Bon. On se retrouve très prochainement. Euh, Good night, dit Jourdain. Harmonicalement, dit Antoine. Et donc, moi, je, voilà, je, moi je dis honneur. <laughs> c'est la marque de, de l'harmonica à 14 trous. Présentée par Guy. Voilà, voilà. Bonne fin de soirée. Bon sport à Christian. La caméra a du mal à faire le point. Ah ben voilà, ça y est, je ne suis plus trouble. C'était bien moi. Allez, bonne fin de soirée. Salut Johnny.